Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. J'espère que vous m'entendez très bien. Amen. 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 Donc, nous allons, nous continuons sur le séminaire que nous avons commencé il y a 2 jours. C'est le 3e jour que nous avons aujourd'hui. C'est le dernier jour. Nous allons nous rappeler rapidement ce dont nous avons parlé les derniers jours. Amen. Rappelons-nous que le premier jour, nous avons parlé de la sanctification. Nous avons donné la définition de la sanctification, qui était la réalisation progressive d'une vie de sainteté. Et on a dit que le secret de la vie de cette vie-là réside plutôt dans la confiance en Dieu, dans le fait que nous nous abandonnons totalement à l'Esprit de Dieu. Et on avait expliqué que le dépouillement serait, donc que la sanctification serait donc un abandon. On abandonne carrément nos habitudes, les traditions, les choses du monde, la mentalité, tout ce qui concerne le monde, pour pouvoir permettre à ce que le Saint-Esprit nous change, nous transforme à l'image de Dieu. Et on avait dit que simplement le dépouillement serait ici une sanctification extérieure. Bien qu'on ait dit qu'on avait dit qu'il y avait la sanctification intérieure et la sanctification extérieure. De la même façon aussi, le dépouillement intérieur et extérieur. Mais je voudrais que lorsque je parle de dépouillement ici, on passe beaucoup plus au côté extérieur. Bien que le côté intérieur fait partie aussi. Amen. Et on avait prouvé que sans la sanctification, personne n'ira au ciel. Et on a vu que dans une vie de sanctification, il était nécessaire que chacun applique de la discipline, et parce qu'il était possible de vivre une vie de sanctification dans le monde. On avait parlé de cela et on avait dit que Dieu regarde nos corps et notre âme. Les deux, Dieu observe l'extérieur et l'intérieur, n'est-ce pas? Et que parce que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous devons chercher ce que le Seigneur veut et vivre selon la volonté de notre maître. Amen. Et on avait le 2e jour, c'était hier, nous avons cherché à parler de comment reconnaître un chrétien. Et nous avons dit que le chrétien, c'est d'abord un être humain. Et on avait dit que le chrétien, c'est l'être humain, non seulement l'être humain, mais qu'il a été créé parfaitement, puisqu'on a été créé selon l'image de Dieu. C'est celui qui connaît le Seigneur Jésus et qui cherche à marcher selon sa volonté. Et nous avons parlé de la vie de sainteté, en fait, qui nous différencie du monde. Parce que nous ne sommes pas des citoyens de ce monde. Bien que nous sommes dans ce monde, nous devons nous considérer comme si nous sommes simplement dans un pèlerinage. Nous sommes de passage. Et quelqu'un qui est de passage n'a pas son temps à perdre dans les choses de ce monde qui sont réellement passagères. Amen. Nous sommes des concitoyens, nous sommes des citoyens du ciel. Et en tant que tels, nous devons pouvoir agir comme des citoyens célestes qui s'éloignent des choses de ce monde. Amen. Et nous avons parlé de l'or. Nous avons parlé un peu de l'origine de l'or et nous sommes allés jusqu'à expliquer que les Égyptiens disent que l'or, c'était la chair des dieux. Et on a parlé donc de l'origine de l'or, où c'est quitté. Et on a parlé aussi de quand Dieu a créé l'or et autres, quelles étaient les premières utilisations de l'or. Et on a vu ensemble que l'or était réellement créé pour le temple de Dieu, pour l'adoration. Et il ne s'agit pas seulement de l'or, mais il s'agit aussi des autres métaux précieux. On a parlé du bélium, on a fait allusion au diamant, tout ce qui est métal précieux. Mais on a insisté sur l'or. C'est l'or qu'on a pris comme exemple. Mais on a dit que au lieu d'utiliser l'or pour faire ce que le Seigneur veut, le peuple d'Israël, les enfants de Dieu, se sont souillés en prenant l'or pour créer des objets, des idoles qu'ils ont adorées, qu'ils ont mis à la place de Dieu même qui les a créés. Ils ont commencé à adorer le créa,
la création au lieu d'adorer le créateur. Et eux-mêmes, ils se sont rendus des créateurs de leur propre Dieu aussi, de leur propre Dieu, en créant le veau d'or. En gros, ce sont ces choses-là, on a parlé de ces choses-là hier et on avait montré que Dieu était très fâché de ceux qui ont utilisé les choses qu'il leur a données, de ceux qui ont utilisé ces choses-là pour pouvoir créer des dieux, pour pouvoir adorer ces dieux. Et on avait montré clairement que ces dieux-là, ces choses qu'ils ont créées comme des dieux, les boucles d'oreilles faisaient partie, les bijoux qu'on met sur nos corps, ça faisait partie. Et on a parlé de comment le monde, il y a tant de sacrifices pour pouvoir faire sortir l'or de l'endroit où c'était, les perles pour les retrouver. On avait parlé de grands travaux, nous avons parlé de grands travaux d'excavation que le monde entreprend seulement pour que ces produits la sortent. On a parlé de beaucoup d'assassinats qui se passent, de beaucoup de sang versé qui se passe. On a parlé de beaucoup de sacrifices. On a parlé de comment à cause de la richesse, certaines personnes peuvent vendre toute leur famille. Et on a parlé du fait que le sang versé la coule. Et on a fini en disant l'or, les bijoux et autres que nous partons trouver dans les magasins pour les acheter. On ne connaît pas le chemin que ça a traversé avant d'être là. Et on avait insisté sur le fait que le sang qui coule après ces bijoux et autres là, ce sang et autres là, ça fait qu'il y a aussi des démons qui poursuivent ces bijoux. Et donc, lorsque on met ces choses sur notre corps, et une petite boule de boucle d'oreille, il y a du sang qui est en train de réclamer, il y a du sang qui nous suit, il y a les âmes des gens qui sont versées, qui nous poursuivent. Et Dieu aussi n'est pas content avec nous, parce que c'est comme si, quand il regarde, il nous voit comme marchant avec des idoles que nous adorons. C'était un peu le résumé de ce qu'on a dit hier. Et j'avais dit qu'aujourd'hui, on allait rentrer dans les détails pour voir maintenant qu'est-ce qu'il faut, de quoi devons-nous dépouiller. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde-là dont nous devons nous dépouiller. Et hier, je me rappelle que nous avons parlé du fait que le Seigneur Jésus, lui-même, il a dit au peuple d'Israël, tout ce que vous avez sur vous comme ornement, vous devez vous débarrasser de cela, sinon moi, je ne vais pas vous suivre dans la traversée du désert. Et que c'est seulement, et que le peuple a tout enlevé. Même avant même que Dieu leur dise, débarrassez-vous de ces choses-là. Eux-mêmes, ils ont commencé déjà à enlever tout ce qu'ils avaient comme ornement sur eux, parce qu'ils savaient que c'était des choses que Dieu n'aimait pas. Et cela montrait clairement que nous-mêmes aussi, avec un peu d'intelligence, nous devons aussi pouvoir nous débarrasser de ces choses, afin de pouvoir plaire à Dieu, pour que Dieu puisse marcher avec nous. On ne peut pas servir Dieu et puis servir l'argent. Parce que l'or qui est attaché sur nous, c'est considéré comme mammon, c'est considéré comme une idole. Donc, quand cette idole est connectée à nous, c'est que Dieu ne peut pas être avec nous. Amen. C'est vrai que vous voyez dans des églises, des femmes de Dieu, même des pasteurs qui attachent toutes ces choses. Et vous voyez des miracles qui se font dans ces églises-là souvent. Ne vous laissez pas tromper. Tous les miracles ne sont pas faits par Dieu. Amen. Et il peut avoir, même dans ces églises, sachez que Dieu peut se manifester. Il peut aussi guérir les enfants de Dieu qui vont dans certaines de ces églises. Mais comprenez que quand Dieu le fait, c'est parce qu'il aime son peuple. Ce n'est pas forcément à cause du serviteur de Dieu. C'est pour cela qu'on avait dit que, et le pasteur Messin avait vraiment expliqué cela. Quand ces gens-là vont finir de prêcher et de faire des... Excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Ma voix est partie, n'est-ce pas? Oui, oui, juste un peu, mais c'est bon déjà. Mais c'est bon actuellement. Attends, je vais voir. Oui. Ok, amen, amen. Oui, amen. Amen. On a dit que quand ces gens-là vont mourir, c'est à eux, Dieu, le Seigneur Jésus va dire, je ne te connais pas, va loin de moi. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons revenir sur le programme, la portion d'aujourd'hui. On allait voir de quoi devons-nous dépouiller.
Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une révélation, je vais vous le dire. Vous connaissez le mot orgueil. Le mot orgueil est composé de deux mots, n'est-ce pas? Il y a or d'abord et puis orgueil. L'or, on a déjà défini ce que l'or était. Maintenant, hier, aujourd'hui, j'ai cherché à vérifier qu'est-ce que le gueil signifie. Le gueil, j'ai retrouvé à l'Internet que le gueil, c'est un mot familier qui signifie vêtement usagé. Ça signifie du chiffon, de la loque, ça signifie la serpillière. Vous connaissez ce que ça signifie. Donc, l'orgueil, c'est un vêtement qui est couvert de or. L'orgueil, c'est comme un poison, puisque quand on parle de vêtements usagés, on parle de chiffon, on parle de serpillière, c'est la poubelle. C'est la poubelle qui est couverte d'or. Et c'est ce que le Seigneur fait en général, pardon, pas le Seigneur, c'est ce que Satan fait en général pour nous envoyer loin de la volonté de Dieu et pour nous blaguer. Les cadeaux que l'ennemi nous donne, c'est, j'aime donner l'exemple du quand on peut voir par exemple un bonbon et puis c'est couvert de chocolat. Et on pense que le bonbon est bon, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du poison. Mais qu'est-ce qui nous attire? Qu'est-ce qui attire nos yeux? C'est ce qu'on voit à l'extérieur. C'est ce qu'on voit et c'est vers ça qu'on court. Et puis on prend maintenant, quand on mange, on est détruit. Donc l'orgueil, c'est ce que j'ai découvert aujourd'hui. Donc c'est le petit cadeau que je vais vous donner. Donc et j'avais expliqué aussi que les bijoux et autres, quand on met sur nous, c'était seulement pour pouvoir attirer l'attention des païens. Donc, ça démontre aussi notre orgueil. Ça fait qu'on peut se sentir bien simplement, on peut se sentir différent des autres ou on peut se sentir plus belle que les autres à cause des choses que nous avons attachées sur notre corps. Donc, en portant ces bijoux-là, c'est comme nous-mêmes, nous devenons de la saleté, nous devenons une serpillière et on est couvert d'or. Amen. J'ai vu une image de Babylone la Grande la dernière fois. Ils ont fait un dessin pour représenter une femme. Mais je vous dis, elle était parée de toutes sortes de bijoux. Mais en fait, c'est Babylone la Grande. Qu'est-ce qui est pire que Babylone la Grande? Et donc, c'est dans ce genre de péché, le péché d'orgueil, qu'on se met lorsque nous nous couvrons de ces artifices. Donc, de quoi devons-nous séparer? Nous devons nous séparer d'abord des idoles. Qu'est-ce que sont les idoles? Les idoles, c'est tout ce que nous attachons à notre corps en tant que temple de Dieu. Notre corps est un temple de Dieu. Donc, quand on attache quelque chose sur notre corps, nous nous associons à ces idoles. Et il s'agit ici des bijoux, des boucles d'oreilles, des chaînes, des anneaux, c'est-à-dire les bagues, même les bagues de mariage, les gourmettes qu'on met, les mèches qu'on attache sur nous, les faux cils, les faux ongles, les fausses fesses. Des gens vont mettre des fausses fesses sur eux. Comme ça, quand surtout les femmes, comme ça, quand elles s'habillent, elles attirent beaucoup des gens. Les seins que les gens mettent pour grossir leurs seins. Vous voyez? Les produits éclaircissants, les parfums pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir attirer le monde vers nous. Tout ce qui est accoutrement mondain, tout ce qui est tenue fantaisiste, tout ce qui est vêtement étranger, tout ce qui est paru de Jézabel, toutes ces choses-là, ce sont des idoles. Quand tu t'en vas dans une boutique pour acheter un sac, et puis tu achètes le sac, pas parce que tu as besoin d'un sac pour mettre tes affaires, mais parce que tu as vu Louis Vuitton écrit dessus, ou bien tu as vu Versace dessus, et tu aimes ça, ou bien tu vas acheter parce que c'est cher, même si c'est peau de crocodile, tu vas prendre. Tu vas acheter une chaussure, pas parce que tu as seulement besoin de porter quelque chose, mais tu veux quelque chose d'une qualité extrême pour pouvoir attirer le monde. Ça devient de l'orgueil, et donc ça devient une idole. Est-ce que quelqu'un peut lire 2 Corinthiens 6, verset 16, s'il vous plaît? Quelqu'un peut-il lire 2 Corinthiens 6, verset 16?
Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disponible pour lire? Tous les micros sont fermés. Le frère Jérémy vient d'ouvrir son micro. Le frère Jérémy, si c'est pour lui, on ne vous entend pas. Maman Jocelyne, on ne vous entend pas. 2 Corinthiens 6, verset 6. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Yes, continue. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Donc, Dieu veut une séparation entre nous et ces choses-là. Le temple de Dieu, c'est nous. Les idoles, c'est tout ce que je viens de donner comme liste. Donc, si nous prenons les idoles que nous attachons à nous, nous ne pouvons plus être considérés comme le temple de Dieu. Et nous ne sommes même plus capables de nous comporter comme le temple de Dieu. C'est pour cela, hier, j'ai bien insisté sur le fait que la Bible a expliqué que les comportements de pécheurs, d'idolâtrie, que le peuple d'Israël a eu, c'était parce qu'ils s'attachaient à ces idoles, parce qu'ils ont commencé à adorer autre chose. Donc, c'est des trucs qui spirituellement affectent notre façon de nous conduire. Et ça me rappelle, au moment où j'étais restée, je ne sais pas si c'est enfin, la femme qui est ici, c'est Jocelyne qui est là. Quand je tressais, là, quand on finit de tresser une femme, là, la première chose qu'elles aiment faire, elles prennent la Bible, elles prennent le miroir, et puis elles se regardent, elles commencent à tourner leur bouche, elles commencent à bouger leur tête, elles commencent à agir. C'est comme si des ailes montent sur elles. Elles ne peuvent même plus marcher parce que pour elles, sont trop, trop belles. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Imaginez les gens qui portent aussi les habits griffés. Quand ils marchent, oh, on leur dit, oh, ton habit est joli, oh, c'est de Louis Vuitton, hein. Et puis, je change de comportement. J'ai acheté ça à temps. Hein. Ça devient de l'orgueil. Ça, ce n'est pas le comportement des enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre maintenant Genèse 35, verset 2, 4. Et nous allons voir un incident qui s'est passé là-bas. Genèse 35, verset 2 à 4. Genèse 35, verset 2 à 4. Genèse 35, verset 2 à 4. Mm-hmm. C'est possible qu'on veuille lire un peu avant. Jacob. Il faut commencer à lire à partir du verset 35. À partir du premier verset. Comment? Genèse 35, commence à lire du verset 1 à verset 4. 1 à 4. Je dis au nom de Jésus. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Esaü, ton père, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et chargez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébin qui est près de Sichem. Amen, amen. Merci, ma sœur. L'histoire qui s'est passée ici, c'est que Jacob et puis ses enfants étaient dans une ville qu'on appelait Sichem, et il s'est trouvé que le fils du roi de Sichem, qui s'appelait lui-même Sichem, est tombé amoureux de la fille Dina.
qui était une des filles de, qui était la fille de Jacob. Et il a pris par force, il a violé. Donc, vous voyez déjà que Sichem est étranger, il n'est pas un Israélien, il ne vient pas d'Israël. Et il a violé la fille. Et maintenant, ses frères n'étaient pas contents. Ils ont monté un coup, vous pouvez lire l'histoire là après, dans Genèse 34. Ils ont monté un coup et ils sont venus, ils ont tué tout le peuple. Ils les ont blagués parce que ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont couché avec elle, les frères n'étaient pas contents et le monsieur Sichem avec son père Hamor, qui était le roi de ce village-là, ils se sont levés pour aller voir Jacob pour dire que vraiment, comme ça s'est déjà passé, eux, ils veulent vraiment marier, ils veulent vraiment que leur fille marie, que leur fils marie Dinah. Et la condition que les frères ont donnée, c'est que si, et que Jacob a donné, c'est que nous deux, on ne peut pas se mélanger. Notre Dieu a dit ça clairement. Alors, si vous voulez marier la femme-là, il faut d'abord que vous soyez circoncis. Et donc, quand les hommes, ils ont fait circoncis tous les hommes de cette ville, pendant qu'ils étaient encore en train de souffrir, les enfants de Jacob se sont levés et ils sont partis. Ils ont tué tous les peuples, ils ont tué tous. Ils ont tué toutes les femmes, tous les hommes, je veux dire. Quand ils ont fini de les tuer maintenant, le père a vu ça et il a vu que non, cet endroit est devenu vraiment dangereux. S'ils restent là-bas, ils vont s'élever contre eux et on va les éliminer. Et donc, Jacob, c'est là que Jacob a dit à ses fils, lève-toi. C'est Dieu qui a dit maintenant, plutôt Dieu même est venu dire à Jacob, lève-toi, il faut porter, allez-y maintenant à Bethel, c'est là-bas que je veux que vous partiez rester. Et que quand tu vas arriver là-bas, tu vas dresser un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Esau, ton frère. Et donc, quand il a entendu cette voix maintenant, Jacob a dit à ses fils, OK, voilà ce que Dieu a dit, il faut qu'on quitte, sinon les gens vont nous éliminer. Mais avant de quitter, notre Dieu n'est pas d'accord avec les ornements que vous mettez sur vous. Ce sont des dieux étrangers que vous avez pris pendant que nous vivions à Sichem. Maintenant qu'on retourne vers le vrai Dieu, il leur a dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Donc, et il lui a dit, oui, on s'en va là-bas, on va aller à Bethel et je m'en vais monter un autel pour notre Dieu. Vous voyez, pour que ce Dieu-là vienne maintenant nous protéger contre l'attaque qui arrive certainement. Et donc, quand ça s'est passé, qu'est-ce que le peuple a fait au verset 4? Tous ses enfants, tous les enfants de Jacob. Le verset 4 le dit. Ils se sont dépouillés. Ils ont enlevé tous leurs dieux étrangers qui étaient avec eux. Quand on dit les dieux qui étaient entre leurs mains, qu'est-ce que ça représente? Ça représente les bagues, n'est-ce pas? C'est les bagues qu'on met dans les mains et les anneaux, entre leurs mains, c'est les bracelets et autres. On dit, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, c'est les boucles d'oreilles. Il y a aussi les bagues entre les mains. Tout ça, ça fait partie de ces dieux. Ils ont dû se débarrasser de tout cela. Et Jacob n'est même pas parti avec ça. Il les a enterrés dans la ville, dans un endroit à côté de la ville. On dit, Jacob les enfuit sur le térébène qui est près de Sichem. Et puis c'est après ça seulement qu'ils sont partis. Si Dieu était d'accord qu'ils portent ces choses-là, est-ce qu'ils allaient, en voyageant, ils allaient se débarrasser de ces dieux? Encore, pour vous dire que notre Dieu ne veut pas s'associer avec d'autres dieux. Avant de pouvoir l'adorer, avant qu'il fasse quelque chose pour nous, il faut qu'on se sépare des dieux étrangers. Et donc, c'est ce voilà un autre exemple encore qui s'est passé ici. Donc, alléluia. C'est ce que je voudrais que nous sachions. Parce qu'ils avaient pris ils avaient imité les mauvaises civilisations. De la même façon, Dieu ne veut pas que nous imitons la civilisation de ce monde. Il ne veut pas non plus que nous imitons les traditions et la culture des païens qui vivent autour de nous. Vous pouvez prendre maintenant Sophonie 1, verset 8. Sophonie 1, verset 8.
Maman, tu veux lire Sophonie 1, verset 8? Sophonie 1, verset 8. 8, verset 8. Que quelqu'un prépare aussi. Bon, Exode 33, verset 4 à 6, encore. On va revenir sur ça. Donc, Sophonie 1, verset 8, qu'est-ce que ça dit? Au nom de Jésus, au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les filles du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Amen. Amen. Donc, voilà ce que le Seigneur a dit. Au jour du sacrifice de l'Éternel, il va châtier les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Qu'est-ce que les vêtements étrangers représentent? Mes frères et sœurs, les vêtements étrangers, ce sont les habillements mondains à l'image des païens. Les vêtements étrangers, ce sont les habits qu'on appelle habits sexy. Les accoutrements des stars, leurs coiffures, les produits éclaircissants, leur maquillage et autres. Et voilà ce que Dieu a dit. Il va les châtier tous ceux qui les imitent. Retenons ce verset-là, c'est vrai, c'est vraiment important. C'est cela qui parle des vêtements étrangers que Dieu ne veut pas que ses enfants portent. Est-ce que vous êtes prêts avec Exode 33, verset 4 à 6 encore? On va nous rappeler ce qui s'est passé hier. Exode 33, verset 4 et 6. Et que quelqu'un prépare Deutéronome 15, verset 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Exode 33, verset 4 à 7. Yes, Exode 33, verset 4 à 7. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au pouvoir. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant les ornements et dessous-toi. Et je verrai ce que je te ferai. Amen. Amen. Donc, ici encore, pour vous rappeler ce qui s'était passé hier, et c'était après avoir créé la vache, le veau d'or. Dieu avait décidé qu'il n'allait plus suivre le peuple d'Israël. Dans sa colère, il a refusé de les suivre tant qu'il ne se débarrassait pas de ses ornements. Encore, voilà que les enfants d'Israël se sont dépouillés encore de leurs ornements au moment où ils quittaient maintenant le mont Horeb où il y avait eu ce problème. Donc, voilà une autre preuve que Dieu ne supporte pas que ses enfants mettent ces choses-là sur eux. Amen. Maintenant, nous allons lire Deutéronome 15, versets 16 à 17 et nous allons comprendre ce que ça signifie de se percer les oreilles. Deutéronome 15, versets 16 à 17. Deutéronome 15, verset 16 à 17, je lis au nom de Jésus. Mm-hmm. Si un esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Amen. Ici, on est en train de parler de percer les oreilles. Je ne parle pas même de mettre les boucles d'oreilles. C'est simplement percer les oreilles. Voilà, la parole de Dieu dit que si ton esclave dit, je ne veux pas sortir de chez toi, c'est-à-dire que si l'esclave, quand le temps où l'esclave doit te quitter arrive, parce que selon leur loi, il y avait un certain nombre d'années où l'esclave devait travailler. Je crois que c'est après 7 ans, l'esclave devait être libre. Certains esclaves choisissaient de rester avec leur patron. Certains esclaves partaient pour se chercher. Et donc, Dieu a donné une loi. Il dit, bon, pour ceux qui décident qu'ils sont contents de leur patron et qu'ils aiment rester dans l'esclavage chez leur patron, Dieu leur a dit, il ne faut pas les chasser. Il faut simplement prendre un poinçon et puis tu vas percer leurs oreilles. Leur oreille percée, là, ce sera le signe qu'ils t'appartiennent. Ils vont rester avec toi toujours. Et tu vas le faire de la femme et de l'homme. Vous avez compris ici? Il y a quelqu'un qui a du bruit dans son micro. Donc, vous avez bien entendu.
Donc, et il a dit, et la personne va rester chez toi pour toujours, hein, pour toujours, la personne restera pour toujours ton esclave. C'est le verset 17 qui le dit. Ce qui signifie que les oreilles percées, c'est un signe d'esclavage perpétuel. Encore, je ne suis pas en train même de parler, même de mettre des boucles d'oreilles. Alors, comprenons que, si non seulement tes oreilles sont percées, signifie que tu appartiens déjà à quelqu'un d'autre. À qui, dans ce monde aujourd'hui-là, tu vas appartenir? Tu ne peux pas percer tes oreilles pour dire que tu appartiens à Dieu. C'est que tu appartiens au Dieu de ce monde. Puisque le Seigneur compte ça aujourd'hui, il ne veut pas qu'on verse ton sang. Donc, tu appartiens à Satan. Tu deviens un esclave de Satan. Maintenant, quand tu t'en vas prendre les démons qui sont les boucles d'oreilles, les chaînes et autres, pour les mettre dans ces trous-là, imagine donc tu es doublement en servitude. Amen. Maintenant, je voudrais que nous parlons des colliers. Les colliers que nous portions. Ces choses-là, ces colliers et autres-là, nous identifient aux esclaves qu'on attachait. Je ne sais pas si vous avez vu le film les Punta Kinte et autres. Pour les attacher, les gens, comment on appelle ça, ceux qui abusaient d'eux là, les blancs, ils attachaient leurs coups. Ils attachaient leurs coups et ils les mettaient ensemble, un à un, pour pouvoir marcher. Et puis, sachez que, pensons ici à la définition du mot chaîne. Qu'est-ce que chaîne, ça signifie? Il n'y a pas un autre mot. Il y a quel autre mot que vous connaissez qui dérive du mot chaîne? C'est le mot enchaîné. Quand on parle d'enchaîné, qu'est-ce que ça signifie? Le mot enchaîné, c'est ne pas être libre. Libre. Voyez comment ça, l'ennemi est méchant. L'ennemi nous enchaîne. Il nous enchaîne, il met ces choses-là sur notre cou et il ne cache même pas, il appelle ça chaîne. Celui qui veut comprendre ce que la chaîne signifie et puis continuer à porter maintenant, c'est apporter les chaînes. C'est que la personne a volontairement accepté de devenir esclave de Satan. Sinon, une chaîne, ça t'enchaîne. Une chaîne, ça te lie. Ça peut lier tes mains, ça peut lier tes bras, ça peut lier ton cou. La chaîne, ça t'enchaîne. Et souvent, il y a une certaine longueur. C'est un peu comme les colliers. Parlons des colliers des chiens. Les animaux, on leur met des colliers sur eux, on met leur nom sur eux. Et puis maintenant, le collier peut avoir une certaine distance par rapport à ce que le propriétaire, par rapport aux endroits que le propriétaire permet à ce que ce chien-là puisse atteindre. Si tu es assis à 10 km du chien, que tu veux être sûr que le chien est loin de toi, tu peux faire sa chaîne de 2 mètres ou 3 mètres. Mais tant que le chien est en train de bouger, pendant ces 2 mètres, 3 mètres, le chien se croit libre. Il peut trouver sa nourriture là-bas, il peut manger. Il peut bouger, il peut même dormir et puis se lever dans sa chaîne. Mais c'est quand il veut aller au-delà des 2, 3 mètres là qu'il voit qu'il est bloqué. Il peut voir même un serpent en train de venir vers lui. Il veut courir pour aller tuer le serpent, il ne peut pas parce que la chaîne le bloque. Le collier le bloque. Mes frères et sœurs, c'est comme ça Satan nous regarde quand on met les chaînes. Il met les chaînes pour pouvoir contrôler. Les chaînes qu'on met là, c'est pour pouvoir contrôler nos mouvements, pouvoir contrôler nos gestes. On se met dans des prisons spirituelles tout simplement en portant ces chaînes, en portant ces colliers. On peut nous attacher par la main, même par le doigt, par le cou. Par les pieds. Maintenant, les gens même mettent les chaînes dans les pieds. Et vous le savez, même dans les prisons, quand les gens vont dans les prisons, qu'est-ce qu'on fait? On les enchaîne d'abord. Donc, pourquoi ce même mot-là, c'est ce qu'on on utilise pour quelque chose que tu mets sur ton cou, pour dire que tu veux t'embellir, quelque chose que tu crois que c'est beau. Mes frères et sœurs, c'est la déception. C'est la déception dans laquelle on vit. Amen. Donc, j'aimerais que quelqu'un lise 1 Timothée 2, verset 9. Timothée 2, le verset 9.
Quelqu'un est-il prêt pour lire 1 Timothée 2, verset 9? Oui. Amen. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Modestie. Merci. Amen. Il y a quelqu'un qui a la radio qui marche à côté. Amen. Donc, ce verset-là est très, très clair. La parole de Dieu dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, ça veut dire que Dieu veut que les femmes se vêtent d'une manière décente. Cela ne signifie pas que les hommes doivent se vêtir n'importe comment, mais ce verset-là parle surtout des femmes. On doit s'habiller avec pudeur et modestie. Quand on parle de pudeur, là, qu'est-ce que ça représente ici? Ça veut dire qu'on doit se cacher, on ne doit pas montrer nos endroits, on ne doit pas montrer nos corps. L'habillement doit nous couvrir, ça doit nous protéger, ça doit coucher les seins, cacher bien les seins. Ça ne doit pas montrer notre forme. L'habillement ne doit pas être en train de se séduire les autres. C'est pour ça que j'utilise le mot pudeur et modestie encore. Ça veut dire tout doit être balancé. Quand je dis tout doit être balancé, c'est un mot français, que l'anglais que j'ai utilisé, je ne sais pas comment dire ça en français, mais ça veut dire que les habillements doivent être purs. On doit être réellement couvert. Et il a dit que les femmes ne se parent ni de tresse. C'est très clair ici. La parole de Dieu dit que les femmes ne doivent pas se tresser. On ne doit pas se parer de tresses. On ne doit pas se parer d'or. On ne doit pas se parer de perles. On ne doit pas se parer des objets, des habits somptueux. Amen. Est-ce que ça peut être plus clair que ça? Donc, cette recommandation, elle est valable pour les femmes de tous les temps. Donc, ne pensons pas que c'est seulement pour les gens, les femmes de la ville où Timothée se trouve. Non, c'est pour tout le temps, toutes les femmes de tous les temps. D'ailleurs, même avec cette nouvelle génération, sachant que si Paul était en train de parler, il était dans notre génération, il n'allait pas s'arrêter simplement sur les mères, les perles, l'or et autres. Il allait parler des pantalons. Il allait parler pour les pantalons des femmes, il allait parler des collants, il allait parler des tatouages, il allait parler des rouges à lèvres, des piercings, de tout ce qui est faux. Les fossiles, les dessins sur le corps, même les dessins sur les tissus que les gens portent. Il y a des gens qui portent des habits avec un œil dessiné dessus. Il y a des gens qui veulent porter habits du n'importe quoi dessiné sur les habits. Même avec des serpents. Si Paul était là actuellement, là, il allait parler de tout cela. C'est parce que au temps où Paul était, il n'y avait pas ces choses-là. Il n'y avait pas les collants et autres. Amen. Donc, il s'est contenté de parler de ce qui existait au moment où lui était là. Donc, nous allons continuer maintenant. L'apôtre Pierre va soutenir aussi les paroles de son confrère, de l'apôtre Paul, dans 1 Pierre 3, versets 3 et 4. 1 Pierre 3, versets 3 et 4. Quelqu'un peut-il lire 1 Pierre 3, versets 3 et 4? Un Pierre 3, versets 3 et 4. Amen. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible de l'esprit doux et paisible qui est de grand prix devant Dieu. Amen, amen. Amen. Comme on n'entend pas bien la voix, je vais répéter encore. L'apôtre Pierre maintenant vient pour soutenir Paul. Qu'est-ce qu'il dit? Ayez non cette parure extérieure. La parure extérieure, c'est ce qui est dehors, ce que les gens voient. Et cette parure-là, ça consiste quoi? Dans les cheveux tressés, les ornements, les bijoux, les ornements d'or, les habits qu'on revêt et autres. L'apôtre Pierre est en train de dire non. Il ne faut pas que ce soit des choses que nous cherchons à mettre sur nous. Et que c'est le genre de parure que le Seigneur veut
C'est la parure intérieure. Tout à l'heure, j'ai parlé de sanctification intérieure et extérieure. Donc, on a parlé de dépouillement intérieur et extérieur. Ici, il est en train de dire, ici, qu'on doit se dépouiller de façon intérieure surtout. Vous voyez? On doit non seulement se débarrasser des cheveux, des ornements d'or, des habits somptueux et autres, mais on doit, ce qui est plus important chez Dieu, ce qui a un grand prix devant Dieu, c'est quoi? C'est la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. C'est la parure intérieure qui est cachée dans le cœur. C'est ce qu'il est en train de dire. Amen. Donc, nous allons partir maintenant lire Ésaïe 3, versets 16 à 24. Ésaïe 3, versets 16 à 24. C'est un peu long, mais j'aimerais qu'on lise pour bien expliquer ce que. Amen. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu, et les regards effrontés parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chaud le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Attends un peu. Amen. Merci, ma soeur. Attends, j'ai expliqué cette partie. Vous avez vu quand j'ai parlé de l'orgueil. Le Seigneur parle de cela. Quand on parle des filles de Sion, il s'agit des filles de Jérusalem. Ça veut dire qu'il s'agit des chrétiens maintenant, actuellement là. Ceux qui sont donnés à Jésus. Les nœuds de nouveau. On dit qu'elles marchent. Elles marchent avec le cou tendu. C'est l'orgueil. L'orgueil. Quand elles sont habillées, maintenant, elles tirent la tête. On tire la tête. Là, les cheveux tressés jolis. On tire, on monte à tout le monde. Elles ont les regards effrontés. Elles marchent doucement, doucement. C'est comme ça les prostituées font, non? Quand elles vont sur la route. Elles marchent doucement, doucement pour pouvoir attirer les gens. Et puis, elles ont des boucles partout. Les boucles là qui font du bruit pendant qu'ils marchent. Le Seigneur a dit à cause de cela, il va les rendre chauves. Il va rendre chauve le sommet de leur tête. Ce qui signifie que le chauvinisme là, ce n'était pas pour les femmes, non. Ce n'était pas pour les femmes. Et Dieu dit, il va découvrir leur nudité. Et moi, je vois dans les tresses, quand j'étais dans les tresses, il y a beaucoup de femmes qui viennent et elles sont chauves. Sur leur tête là, il n'y a pas de cheveux. Donc voilà, le Seigneur explique, c'est la suite de l'orgueil, c'est la suite de la malédiction. Et les choses qu'ils mettent sur eux. Effectivement, les mèches et autres, là, quand on met sur les cheveux, ça coupe les cheveux. Ça les arrache même de la racine. Ma soeur, il faut continuer. Verset 18. Verset 18. Et en ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteur et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante au lieu de beauté. Amen. Amen. Vous voyez, mes frères et sœurs, le Seigneur a été très, très clair ici. Et quand on lit tout cela, on se rend compte que Dieu prend soin, il regarde tous les petits détails de nos accoutrements et de nos mouvements. Il a donné tous les petits détails. Et ce sont ces choses-là qui causent l'Église aujourd'hui à tomber dans la débauche,
la fornication, l'impudicité et toutes sortes de péchés. Dieu est clair, ces versets-là, ce sont clairs. C'est très, très clair. Excusez-moi. En ce jour, le verset 18, qu'est-ce que Dieu va ôter? Leurs boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Il va, on dit, et les filets, et les croissants, les pendants d'oreilles, les boucles d'oreilles, les bracelets, on dit même, et les voiles. Ça veut dire que Dieu va en avoir assez, même leurs voiles, parce que leur intérieur n'est pas pur. Ils sont en train de se cacher avec les voiles pour donner l'impression qu'ils sont des enfants de Dieu. Dieu va tout enlever. Leur diadème, leur chaînette, des pieds, excusez-moi. Voilà ici, pour ceux qui disent que Dieu veut qu'on porte les bagues. Voilà le verset 21 dit, les bagues et les anneaux du nez. Voici, on parle ici, les vêtements précieux. N'est-ce pas? Quand Dieu dit de ne pas porter des habits somptueux. Voilà ici, il dit, on doit se débarrasser des vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Est-ce que vous avez vu des gens qui souvent mettent des parfums? Ils mettent tellement de parfums qu'ils sont infectés. Ils ont des maladies de leur corps. Tout ça là, c'est des malédictions que le Seigneur est en train de nous dire. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà lu, je ne suis pas arrivée à retrouver les versets là encore, je n'ai pas eu le temps de chercher. Mais lorsque Dieu disait au peuple de fabriquer des encens, il donnait exactement les épices qu'il fallait mettre dedans, les herbes qu'il fallait utiliser, comment il fallait fabriquer ces encens-là. Il a dit que c'était pour l'utilisation dans son temple et que c'est ce qui devient, c'était un parfum de bonne odeur à ses narines. Et il disait clairement qu'il ne voulait pas que le monde les copie. Il ne faut pas que quelqu'un les fabrique. Maman Jocelyne, tu te rappelles quand on a lu ça? Quoi? Quand Dieu a dit que les parfums et autres, là, il ne voulait pas qu'on les copie. Que c'était, il les faisait créer, il permettait à Moïse et autres là, de les fabriquer pour l'adoration dans l'église, dans la maison de Dieu. Je ne suis pas arrivée à trouver les versets, mais Dieu a dit ça au moins 5 fois. Quand vous allez lire à partir d'Exode, Lévitique et autres là, vous allez voir ça. Si quelqu'un en a besoin aussi, donnez-moi le temps, je vais chercher et je vais vous les donner. Il a dit, au lieu de ceinture, il y aura une corde. Ça veut dire que les ceintures que vous attachez là, ça va devenir des cordes. Les cordes pour vous attacher vous-même. Il a dit, au lieu des cheveux bouclés, une tête chauve. On a parlé de ça. À cause des choses qu'on met sur la tête, on perd les cheveux, on devient chauve. Il y a combien de femmes qui n'ont pas de cheveux aujourd'hui à cause de ça? Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu d'une beauté. Vous voyez? Ce qu'on est en train de faire pour dire qu'on va devenir beau là, en fait, ça nous vieillit. Est-ce que vous avez vu les femmes qui mettent les maquillages sur leur corps, les poudres, vous savez qu'elles deviennent vieilles plus vite? Oui, elles vieillissent plus vite. Elles vieillissent. Voilà le verset biblique. Tout est dans la Bible. Hein. Le verset 24 le dit clairement, une marque flétrissante au lieu de beauté. C'est ce qui se passe. Donc, on devient vieux, on raccourcit nos vies en mettant ces choses-là sur nous. Bon, maintenant, nous allons parler des choses, de ces choses que moi j'appelle des choses vaines. Et je vous ai dit que nous sommes des pèlerins qui sont de passage pour un temps dans ce monde. Pourquoi s'attacher à des choses que nous savons qui seront passagers, qui sont passagers. Lisons la fin de Babylone la Grande, dans Apocalypse 18, verset 9-19. Nous allons voir que Babylone la Grande qui existe dans ce monde-là a une fin, alors que nous, on va jusqu'à l'éternité. Pourquoi passer notre vie, nous concentrer sur des choses qui ont une fin, qui sont éphémères? On va lire Apocalypse 18, verset 9 à 19. Apocalypse 18, verset 9 à 19. Verset 9. 9 jusqu'au verset 19. Nous allons voir la fin
Je lis au nom de Jésus. Nous allons comprendre comment ils vont finir. Mm-hmm. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle, à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamore, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âme d'homme. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Et ils s'écrivaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient, ils étaient dans le deuil. Et ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous? Amen. Non, ça va. Maman, ça va. Ok. Ça va. Merci. Merci beaucoup. Alors, moi, je ferme parce que je n'ai pas de charge. Tu vas dire que tu sors, ton téléphone n'est pas chargé. Je suis dans la rue, je n'ai pas de charge. Ok. Il n'y a pas de problème. Ok, d'accord, maman. Il n'y a pas que le Seigneur te bénisse. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Oh, de rien, maman, c'est mon travail. Amen. Amen. Au revoir. Donc, mes frères et sœurs, comme on l'a vu là, en une seule heure, toutes les choses après lesquelles le peuple est en train de courir, toutes ces choses-là vont disparaître. Tout va disparaître. Et vous allez voir, comme on l'a dit, les gens ne seront même plus intéressés par ces choses. Moi, je peux déjà expliquer que ça a déjà commencé un peu avec le dépouillement que beaucoup d'églises commencent à enseigner. Les gens commencent à s'éloigner de ces choses, de ces parures hautes, doucement, doucement. Mais un moment va arriver où les gens ne seront plus intéressés par la richesse. Les gens ne seront plus intéressés par les parures de Jézabel. Tout ce qui appartient à Babylone la Grande, les gens ne vont plus être intéressés par cela. Donc, pourquoi perdre notre temps à courir après ces choses? Amen. Nous allons lire maintenant Ézéchiel 7, verset 19 à 22. Ézéchiel 7, verset 19 à 22. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut lire maintenant. Parce que moi-même, je lis, ça risque d'aller trop vite. Et je vais être sûr que vous comprenez. Si quelqu'un peut ouvrir son miroir, pour son téléphone pour lire. Ézéchiel 7, verset 19 à 22. OK. Ézéchiel 7, verset 19 à 22. OK. Donc, personne n'est disponible pour lire. Donc, je vais lire. Ézéchiel 7, verset 19 à 22 dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver. Au jour de la fureur de l'Éternel, ils ne pourront
ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ils étaient fiers de leur magnifique parure et ils en ont fabriqué les images de leurs abominations, de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers et comme butin aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent. Je détournerai de ma face et l'on souillera mon sanctuaire. Des furieux y pénétreront et le profaneront. J'aimerais expliquer cela. Quand la parole de Dieu parle ici des ors, quand il dit ils jetteront leur argent dans les rues et leur or, de quoi le Seigneur parle ici? L'or représente ici les bijoux, les mèches, les perruques, les rouges à lèvres, les fossiles, les mini-jupes, les hauts talons, les bagues, les gourmettes, toutes ces choses-là, les anneaux même de mariage. Et il a dit, ce sera pour eux un objet d'horreur. Vous savez, au moment de l'enlèvement, quand nous on sera enlevés là, c'est en ce moment les démons qui sont cachés derrière ces choses que nous portons là, que les païens portent là. C'est en ce moment que les démons là vont sortir. Et les démons là vont commencer maintenant à se moquer d'eux et vont commencer à tourmenter tous ceux qui sont les rebelles. Quand on parle encore de leur argent et de leur or, il s'agit des parures de Jézabel. La parole de Dieu dit, leur argent et leur or ne pourront pas les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Et ils ne pourront pas rassasier leur âme ni remplir leur entraille. Car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Vous entendez? Ce sont ces choses-là qui nous font tomber dans l'iniquité. Les bijoux. Chercher à transformer ce que Dieu a fait de nous. C'est ce qui nous fait tomber dans l'iniquité. Ce verset-là le dit clairement. Et c'est ce qui nous souille devant le Seigneur. La parole de Dieu dit qu'ils étaient fiers, non? Ils étaient orgueilleux et satisfaits. Le verset 20. Donc, ils sont orgueilleux, ils sont satisfaits des artifices. Au moment où on porte là, on est fiers, ils sont contents, ils sont heureux de chercher à corriger Dieu en se transformant pour dire, oh, regardez aujourd'hui là, j'ai fait une opération, regardez ma forme. Je peux aller à la plage et puis porter un petit slip. Il y en a même qui laissent presque leurs fesses dehors, tous leurs fesses dehors, parce qu'ils ont fait de ces opérations. Regardez comment je suis belle. Vous voyez? Et la parole de Dieu dit, ils en ont fabriqué des images et de leur abomination. Pourquoi ils le font? Pour pouvoir ressembler aux femmes de classe, aux gens riches. Pour pouvoir ressembler aux stars des films, des feuilletons. Pour pouvoir être comme les stars de la musique mondaine, les gens qui sont de la mode, la tendance du monde et tout. On dit de leurs idoles. Quand on parle des idoles ici, il s'agit encore des stars, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dieu a dit, c'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Vous voyez, les serpents, les démons qui sont derrière ces artifices-là vont être exposés et vont maintenant, ces gens qui les portent là vont chercher à fuir. Ils vont chercher à fuir quand leurs bijoux vont commencer à être transformés par autre chose. Je vous l'ai dit, moi, le Seigneur m'a montré que les chaînes-là, ce sont des serpents. Et ce n'est pas un seul serpent, c'est-à-dire que toutes les petites boucles qu'on prend pour les attacher ensemble, pour pouvoir créer les chaînes, le Seigneur m'a montré que c'était des serpents. Le Seigneur me l'a montré. Et le Seigneur dit, je la donnerai en pillage aux mains des étrangers et comme butin aux impies de la terre afin qu'il la profane. Ça veut dire que Dieu même va choisir que les démons profanent le corps de ces rebelles. Ils vont rater l'enlèvement et ils vont être livrés aux mains des démons. Et ces démons-là vont se saisir. Ils vont se saisir de ces rebelles-là comme des trophées de guerre. Cela, on a parlé de butin. Ils vont dire, ah, voilà, celle-là, j'ai gagné. Celui-là, je l'ai gagné, je suis passé par la séduction, je l'ai eu. Voilà ce qu'il porte là, je l'ai eu. Tu vois? Et comme on le sait, je pense que vous devez le savoir que dans ce monde aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà les marques 666 sur eux. On le voit partout à l'Internet. Hein. Si quelqu'un a besoin que je lui envoie des choses comme ça, laissez-moi chercher parce que j'en ai vu des gens qui sont fiers d'avoir les marques 666 sur eux.
Et Dieu dit, je vais détourner de ma face et on souillera mon sanctuaire. Le sanctuaire là, c'est qui? C'est le corps de Dieu, le corps des hommes, le temple de Dieu. Mais ce temple, quand ça a été utilisé pour héberger des démons, la main de Dieu va quitter. La main de Dieu va quitter, comme dans le cas d'Ézéchiel. L'Esprit de Dieu a quitté le temple parce qu'il était devenu rempli de démons. Ce sont ces serpents et autres là maintenant qui sont dans les parures là, qui vont piller les hommes. Et il y a beaucoup d'entre eux qui ont déjà atterri en enfer. Beaucoup d'entre eux sont déjà enterrés. Et les démons sont en train de les fatiguer. Si vous cherchez les témoignages du ciel et de l'enfer, vous allez en trouver plein. Plein même. Amen. Amen. Si quelqu'un peut me répondre de temps en temps, vraiment, ça va me permettre d'être sûr que vous m'écoutez. Hein. Amen. Amen. Maintenant, nous allons parler maintenant des différentes choses. Nous allons choisir un à un certaines choses dont on doit se dépouiller. Et pourquoi Dieu veut qu'on se dépouille ces choses-là? Et on va en parler un à un. Il y a certaines personnes qui disent, non, je peux mettre des produits sur mon corps. Ce n'est pas un problème. Mais je vais venir vous montrer les versets bibliques qui disent que Dieu n'est pas d'accord avec la dépigmentation. Ils sont noirs jusqu'à, mais ils veulent devenir blancs. Ou bien les blancs cherchent à devenir noirs, les noirs cherchent à devenir blancs, ou bien des blancs veulent devenir bronzés. Qu'est-ce que la Bible dit de la dépigmentation? Vous pouvez prendre Jérémie 23, verset 23, et préparer aussi Romains 9, verset 20 à 21. Jérémie 23, verset 23. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Parce que celle qui lisait là n'est plus disponible. Elle dit que son téléphone est en train de mourir. Jérémie 23, verset 23. Est-ce que vous m'entendez? Mon téléphone a sonné. Mon téléphone a sonné. Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Je n'entends personne. Je n'entends vraiment personne. Est-ce que vous m'entendez au moins? Est-ce que vous m'entendez? Ah, ok, merci. Merci, serviteur de Dieu. Bon, parce que mon téléphone a sonné. Jérémie 23, verset 23. On va lire Jérémie 23, verset 23. Jérémie 23, verset 23 dit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, excusez-moi, hein? C'est Jérémie 13, verset 23. Jérémie 13, verset 23. Jérémie 13, verset 23 qui dit, au nom puissant de Jésus-Christ qui nous arrête. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Mais le Seigneur a choisi clairement, un Éthiopien peut-il changer sa peau? L'Éthiopien ne doit pas changer sa peau. Le léopard ne peut pas changer ses taches. Donc, celui qui prend des produits et des comprimés pour changer son teint, il n'est pas en train de marcher selon la volonté de Dieu. Les produits cosmétiques éclaircissants, teint clair, teint noir, tout ça là, ce n'est pas de Dieu. Amen. On va lire maintenant Romains 9, versets 20 à 21. Si quelqu'un a Romains 9, versets 20 à 21, ce serait bien que vous lisiez ça. Romains 9, versets 20 à 21.
Romains 9, versets 20 à 21. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça dit, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il, à celui qui l'a formé. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Ça veut dire que le potier est libre de nous créer comme il veut. Dieu est libre de faire de nous un vase d'argile ou bien un vase d'usage vide. Et nous qui sommes la création, nous ne pouvons pas dire à Dieu, pourquoi est-ce que tu as fait que je suis clair? Pourquoi tu as fait que je suis noir? Pourquoi tu as fait que je suis grande? Pourquoi tu as fait que je suis courte? Pourquoi tu as fait que je n'ai pas de fesses? Donc je vais aller à arranger ça moi-même. La parole de Dieu est claire ici, retenez. Romains 20, verset 21. Ça parle de toutes ces choses-là. Amen. Changer son nez. Des gens qui s'en vont faire de la musculature parce qu'ils veulent devenir tellement gros, tellement en forme, avoir des muscles. Des gens qui vont faire des opérations pour couper leurs fesses, pour faire grandir leurs fesses. Il y en a qui vont faire des opérations pour que leur ventre devienne petit. Tout le corps devient finalement artificiel. Tout le corps devient artificiel et donc Dieu n'est plus là. N'est-ce pas? On va aller maintenant sur Ésaïe 29, verset 16. Est-ce que quelqu'un peut lire Ésaïe 29, verset 16? Ésaïe 29, verset 16. Ésaïe 29, verset 16 dit, « Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier? Il ne m'a point fait pour que le vase dise du potier. Il n'a point d'intelligence. » Donc ici, on voit que nous sommes les vases et en changeant la façon dont le Seigneur nous a créés, nous sommes en train de dire que Dieu n'a pas d'intelligence. Cependant, il nous a créés à son image et nous savons que son image est parfaite. Donc, pourquoi rentrer dans cette vanité? Maintenant, Ésaïe 45, verset 9. Nous allons lire maintenant Ésaïe 45, verset 9. Ésaïe 45, verset 9. Ésaïe 45, verset 9 dit, « Malheur à qui conteste avec son Créateur. » Donc, Dieu est en train de maudire ceux qui contestent avec notre Créateur. « Vase parmi des vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne. Que fais-tu? Et l'œuvre dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. » Voyons ici que Dieu est en train de maudire tous ceux et toutes celles qui se donnent la forme qui leur plaît, au lieu de se satisfaire de ce que Dieu a fait. Beaucoup de personnes vivent déjà dans cette malédiction par des infestations de démons qui les oppriment et bloquent leur vie. Je vous le dis. Et les démons disent clairement, souvent quand on fait les prières de délivrance, ils s'attachent aux mèches, ils disent que je suis rentré par les mèches, je suis rentré par les bijoux, je suis rentré par telle chose. Ils s'attachent à ces choses-là. Et je voulais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire peut-être pour rire. C'était une histoire que quelqu'un a racontée. Il dit que il y a une femme là qui était une servante de Dieu. Elle servait Dieu très très bien. Mais un jour, elle a fait un accident et puis elle est morte. Quand elle s'est retrouvée devant Dieu, elle a dit à Dieu, « Ah, pourquoi je suis morte maintenant? Je suis encore jeune. Je suis encore jeune, pourquoi ?» En tout cas, fait que je retourne. Tu as dit que tu vas me protéger. Mais voilà que c'est par accident, je suis morte. Donc Dieu lui a dit, Dieu a dit à ces gens, mais pourquoi celle-là, elle est morte aussi tôt? Elle ne devait pas mourir maintenant. Donc il a choisi deux anges. Il dit, bon, vous allez aller, je vais lui redonner la vie. Restez avec elle, puis surveillez là. Soyez avec elle, puis protégez là. Il ne faut plus qu'elle tombe dans un accident. Alors quand elle est descendue, Dieu lui a dit, mais j'augmente ta vie encore. Maintenant, quand elle est descendue, elle dit, « Oh, maintenant, j'ai une grande vie, je suis une femme de Dieu. Donc, attends, maintenant, pour pouvoir bien vivre de ma vie, comme je suis un peu vieille là, je vais aller dans un,
dans un hôpital pour faire une opération. Donc, quand elle partait à l'hôpital de chirurgie là, esthétique, les docteurs, les anges sont partis avec elle. Quand les anges sont partis avec elle, ils sont arrêtés devant la porte. Et puis, elle est rentrée. Elle allait se faire opérer, elle a changé ses fesses, elle a changé ses seins, elle est devenue plus jeune, elle a changé son nez et tout. Maintenant, quand elle a fini, elle est sortie. Maintenant, quand elle est sortie, elle a commencé à marcher et puis voilà un autre accident et puis elle tombe, elle meurt. Elle se retrouve devant Dieu encore. Elle va dire, mais c'est quoi? Tu as envoyé des anges pour me protéger. Donc, pourquoi est-ce que je suis morte? Donc, Dieu a appelé les gens, les anges pour leur dire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas fait mon travail. Et les anges leur disent que, ah, eux l'ont amené à l'hôpital et que Dieu leur avait dit de ne pas rentrer à l'hôpital avec elle. Donc, ils sont restés à la porte. Quand elle rentrait à l'hôpital, elle n'était pas malade. Mais eux ne l'ont pas vu sortir. Que quand elle est sortie, ils ne l'ont pas reconnue. Donc, les anges disent qu'ils ne l'ont pas reconnue pour pouvoir la protéger. C'est pour ça qu'elle a fait un accident. Elle est morte. Juste une petite histoire pour nous dire que quand on se transforme, l'image de Dieu n'est plus sur nous. Donc, même les anges de Dieu pourraient ne même pas nous reconnaître. C'était pour rire, hein. C'est pas écrit dans la Bible. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas la peine qu'on fasse ce genre de choses. Maintenant, il y a aussi un problème dans ce monde par rapport aux pantalons que les femmes portent. Et nous allons lire Deutéronome 22:5. Quelqu'un peut-il lire Deutéronome 22:5? Deutéronome 22, verset 5. Ok, je vais lire encore. Deutéronome 22, verset 5 dit, « Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses-là est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. » C'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu est clair ici qu'il ne veut pas qu'il y ait un mélange dans l'habillement. Dieu veut une distinction des sexes par l'habillement. On doit pouvoir regarder quelqu'un marcher, savoir que oui, là, c'est un homme, savoir que l'autre personne là, c'est une femme. Dieu veut qu'on puisse, c'est comme ça que Dieu a prévu cela. Et je vais donner l'exemple, vous voyez les homosexuels et les transsexuels, comment est-ce qu'on les reconnaît? Les homosexuels, ceux qui se disent des hommes, ils vont s'habiller comme des hommes, mais ceux qui se disent qu'ils sont les femmes, ils vont s'habiller comme des hommes. C'est bizarre, ils se disent homosexuels, mais cependant, ils vont aller s'habiller comme... Et ils sont les femmes, mais ils vont s'habiller comme des hommes simplement pour pouvoir les distinguer. Les transsexuels, ils vont changer ils changent d'habillement. Les hommes portent des habits de femmes, les femmes sont des habits, les femmes portent des habits d'hommes. Et ça, c'est comme ça qu'on les reconnaît, ces gens-là, par leur habillement de rébellion. Maintenant, je vais donner une petite histoire par rapport aux pantalons. Regardez le pantalon, quand les gens fabriquent le pantalon, par rapport aux jupes. Quand on fait la jupe est ouverte. Prenons l'exemple d'une femme quand elle s'en va aux toilettes. Elle a sa jupe qu'elle soulève. C'est plus simple pour une femme d'aller aux toilettes avec un habit ouvert. Mais le pantalon, les deux pieds sont séparés et puis il y a une braquette au milieu où il y a une chaîne. Pourquoi on met la chaîne devant? L'homme peut s'arrêter n'importe où. Il fait descendre sa braquette et puis il urine. Et puis il avance, n'est-ce pas? Ça, c'est une petite chose que je voulais ajouter. Je vais vous donner une petite histoire par rapport aux pantalons. Jusqu'aux années 60, seuls les hommes portaient des pantalons. Il faut qu'on sache cela. Jusqu'à dans les années 60. Mais durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, les femmes qui travaillaient dans les usines ou qui exécutaient les travaux d'hommes, ont commencé à porter les vêtements de leur mari, les vêtements civils de leur mari, qui avaient été mobilisés par la guerre, y compris les pantalons. Donc, c'est au moment des guerres là que ces femmes ont commencé à porter ces pantalons. Et souvent parce qu'elles sont obligées de faire le travail que le mari faisait. N'est-ce pas? Maintenant, le 7 novembre 1800, il y avait une révolution en France. Et à la suite de cette révolution-là, le préfet de la police de Paris a interdit aux femmes de porter le pantalon, qu'on appelait en ce moment vêtement masculin. Ça, c'était le 7 novembre 1800. Maintenant, la femme qui portait le pantalon, qui avait besoin de porter le pantalon, pour une raison
est particulière, soit pour une raison médicale ou bien pour à cause du travail que la personne, la femme fait, elle devait auparavant obtenir une permission. La permission là, c'était une permission de travestissement. Ça veut dire que ces femmes là étaient considérées comme des travestis, tout simplement. Mais on leur donnait un papier qui justifiait pour raison pour laquelle elles doivent se travestir. Maintenant, on va continuer pour dire que l'histoire révèle que les femmes ont d'abord commencé à porter des pantalons, de lingerie sous les robes dans les années 1790 à 1800. Les premiers pantalons des femmes, c'était en bas de leur grande robe. Amen. Maintenant, sachant que récemment, il y a eu des mouvements de grève, des mouvements de rébellion des femmes pour réclamer leur droit à l'égalité au travail. Il y a eu des guerres, à la suite des guerres, aussi des mouvements féministes, les femmes émancipées et autres, l'émancipation des femmes. C'est à partir de ces choses-là que les femmes ont commencé à prendre encore beaucoup, à porter beaucoup plus de pantalons. Est-ce que vous savez que jusqu'en 2013, janvier 2013, la loi en France interdisait aux Parisiennes de porter des pantalons? C'est seulement en janvier 2013 que cette loi-là a été abrogée finalement. Mais jusqu'en janvier 2013, c'était interdit pour les femmes de porter, les femmes en France, de Paris et autres, là, de porter des pantalons. Cependant, comme on le sait déjà depuis les années 60, ces femmes-là, elles portaient ça. La loi était là, mais les gens ne renforçaient pas la loi. Vous voyez, ce qui signifiait même que pendant ce moment-là, jusqu'en 2013, si un mari partait à la justice pour se plaindre que sa femme porte pantalon, la loi était là pour dire « Ah, madame, tu ne dois pas porter le pantalon. » N'est-ce pas? Mais cette loi n'était pas enforcée. Les gens ont laissé tomber la loi. Vous voyez? Bon, donc pour continuer, je vais dire simplement que Satan a profité de ces émancipations des femmes et autres, là, la guerre, les raisons qu'il donne pour que la femme porte les pantalons. Satan a commencé maintenant à commencer à créer des magazines de mode avec des gros pantalons. Ça a commencé avec les gros pantalons. D'abord, des pantalons qu'ils portaient en bas. Ensuite, ils ont commencé à porter des robes un peu plus courtes, jusqu'à finalement, on met maintenant les grands pantalons. Et puis doucement, avec le temps, on a commencé à voir les pantacours. Vous vous rappelez, à un moment, les pantacours étaient sortis beaucoup. On a commencé à voir des culottes pour les femmes. Et les pantalons serrés ont commencé à sortir. Jusqu'à on est rentré au collant. C'est comme ça que ces histoires d'habillement-là, ça évolue. Mais Dieu n'était jamais d'accord que les femmes portent des habits d'hommes, ni que les hommes portent les habits de femmes. Et vous savez que dans certains villages, même en Afrique, les femmes qui portent les pantalons, on les considère comme des prostituées. Certaines personnes parleront des jupes des Écossais. Oui, les Écossais portent des jupes. Mais je voudrais que vous sachiez que ça vient d'une tradition de perversité qui a été instaurée par l'homme. C'est la tradition que les gens ont suivie. C'est pour tout ça que Jésus dit de ne pas suivre les traditions. Bon, on a fini de parler des pantalons, maintenant nous allons parler des tatouages. Est-ce que quelqu'un peut lire? Est-ce que quelqu'un est disponible maintenant pour lire Lévitique 19, verset 28? Quelqu'un est-il disponible pour lire Lévitique 19, verset 28? Lévitique 19, verset 28. Je vais le lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça dit, il y a quelqu'un qui était prêt à lire Lévitique? Shalom, allô. Shalom. Il faut continuer parce que tout le monde travaille. Moi, je suis en train de travailler. Donc, on ne peut pas lire. Okay. Même le pasteur, mais c'est en train de travailler parce que je vois qu'il est là aussi. Ok, moi je travaille, donc j'ai sûrement un Bluetooth. Merci, il n'y a pas de problème. Je vais lire, je sais que tu travailles, bébé. Lévitique 19, verset 28 dit quoi? Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Vous voyez que c'est assez clair
Dieu a dit qu'on ne va pas faire d'incision, on ne va pas se couper. Sachez-vous, savez-vous que tous les tatous qu'on fait là, il y a du sang qui coule, qui coule du corps. Ils prennent les aiguilles, les petites lames pour couper le corps, pour pouvoir faire les tatous. Le sang coule. Et Dieu a dit de ne pas faire d'incision dans notre chair pour un mort. Et que Dieu ne veut pas qu'on imprime des figures sur nous. Il a dit qu'il est l'Éternel. Ce qui signifie que quand on fait ces choses-là, il n'est pas l'Éternel pour nous. Donc, ce sont les païens, les Égyptiens qui pratiquaient cela. Et Dieu ne veut pas que nous dessinions sur nos corps. C'est assez clair. Donc, tout tatouage, comme je l'ai dit, ça verse le sang. Et si vous faites des recherches, j'avais fait ces recherches-là avant pour le faire, vous allez voir que la grande majorité des gens qui font les tatouages, ce sont des gens qu'on appelle des chamans. Ce sont des gens qui sont des serviteurs de Satan. Et la nuit, là, quand tu as fini de faire ton tatou, puis tu rentres chez toi, là, ton sang qui est versé là, sur les aiguilles, là, ils prennent ça pour le donner comme sacrifice à Satan. Et c'est là que ta vie, tu as des problèmes ici et là. Donc, en vous tatouant, vous êtes en train d'offrir vos corps à Satan sans le savoir. Et donc, les tatouages demeurent, ils sont et les tatouages demeurent des portes ouvertes aux démons dans vos vies. Donc, faisons tout ce qu'on peut pour ne pas avoir des tatouages sur le corps. Et ceux qui ont déjà des tatouages, s'ils peuvent les enlever, enlevez-les. S'ils ne peuvent pas enlever, il ne faut pas prendre ça comme objet de fierté. Ce que moi, je les encourage aux gens, je leur dis, si tu as des tatouages, il faut mettre des... Il faut, quand tu veux faire l'œuvre de Dieu ou autre, là, essaie même de porter des habits longs pour couvrir les parties où ça se trouve. Parce que même ça, ceux qui ont des tatouages, quand ils se répandent, Dieu va leur pardonner. Hein. Aujourd'hui ou dans le temps où on est, le Seigneur pardonne. Donc, ne soyez pas découragés. Ne pensez pas que non, Dieu m'a abandonné parce que j'ai fait des tatouages dans ma vie. Non. Quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Et tu peux prier. Déjà, si tu n'as pas les moyens pour utiliser les lasers et autres pour enlever, tu peux prier pour demander à ce que le Seigneur les efface. Efface-toi tous les jours avec le sang de Jésus. Paralyse les démons qui peuvent passer par là. Essaie de t'habiller pour cacher ça. Ne prends pas ça pour montrer aux gens comme image de fierté. C'est ça qui est le problème. Amen. Maintenant, je voudrais qu'on sache que il y a la marque de Dieu qui existe, il y a aussi la marque de Satan. C'est pour cela, voyons Galates 6, verset 17. Galates 6, verset 17. Galates 6, verset 17 dit quoi? Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Donc, ça veut dire qu'il y a une marque qui existe qu'on appelle la marque de Jésus. En réalité, quand tu fais des recherches, tu vas voir qu'en fait, la marque de Jésus, ce n'est pas forcément un tatou, mais quelque chose qui est mis sur ton corps. C'est ce que tu souffres en étant serviteur de Dieu, en étant enfant de Dieu, ce que ça représente. Mais Dieu a appelé ça la marque, une marque, n'est-ce pas? Nous allons lire maintenant Apocalypse 7, verset 3. Apocalypse 7, Apocalypse 7, verset 3 qui dit, au nom de Jésus qui est de Nazareth, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Ici, Dieu s'apprêtait à envoyer des malédictions dans le monde. Mais il a dit aux anges de ne pas faire du mal à la mer, ni aux arbres, ni à la terre, jusqu'à ce qu'ils mettent son sceau sur les serviteurs de Dieu. Ceux qui sont les vrais chrétiens, ceux qui font l'œuvre de Dieu, qui vivent selon la parole de Dieu. Donc, voilà une marque que Dieu a prévue déjà, que lui-même va mettre sur ses enfants pour pouvoir les distinguer de ceux qui ne sont pas de Dieu. Amen. Maintenant, on va lire Apocalypse 13, verset 17 à 18 aussi, qui va nous montrer encore un autre genre de marque. Apocalypse 17, verset 13 à 18 dit quoi? Verset 17 à 18. Apocalypse 13, verset 17 et 18. Ça dit quoi? Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom.
C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, voilà, on vient de voir qu'il y a aussi une marque de Satan qui est 666. Et la parole de Dieu a dit que ça va être mis soit sur nos mains ou bien sur le front. Dieu aussi, lui met ses marques sur le front de ses enfants pour les reconnaître. Amen. Mais Dieu est contre. Dieu est contre le tatouage. Et je voudrais que nous comprenions que ceux qui ont le tatouage, là, ils peuvent se nettoyer avec le sang de Jésus. Amen. Et je voudrais dire que vous savez qu'il y a déjà des gens dans ce monde actuellement qui portent la marque 666. Ils écrivent sur eux pour que les gens les identifient comme des serviteurs de Satan. Satan aussi met ça souvent sur des gens en esprit. Je me rappelle, il y a une femme qui a fait une vision. Ça m'a touchée. J'ai vu ça l'année passée. Elle pleurait même en parlant. Elle a dit qu'elle a eu une vision où elle a vu beaucoup de personnes avec la marque 666 écrit sur eux. En fait, moi-même, j'ai fait ce genre de vision-là. J'ai eu ça avant. Et elle a vu son mari même avec la marque 666 écrit sur lui. Il y a des gens pour lesquels on prie souvent qui disent que ah, eux, ils ont vu la marque 666 écrit sur eux. Mais ça, c'est fait dans le côté spirituel. Dieu merci que tant que la personne est encore vivante, on peut prier pour effacer toutes ces choses-là. Et que si la personne remet sa vie en ordre devant le Seigneur, la personne peut avoir maintenant la marque de Dieu. Donc, faisons attention aux marques que nous mettons sur nos corps. Amen. Je vais parler un peu des habits, les griffes et les habits de marque. On a déjà parlé des habits de marque, donc ce que je vais essayer de dire, le côté des griffes. Quand on parle des griffes, voilà comment l'ennemi se moque des enfants de Dieu. Comme je le dis, Satan ne cache pas ce qu'il est en train de faire. Satan va créer des modes, il va créer des habits, des sacs à main et autres, des chaussures, et il les appelle ses griffes. Et les êtres humains peuvent s'en dire, oh, tu as vu ma griffe là, il montre ce qui est écrit dessus. Regardez ma chaussure, c'est griffé avec les marques et autres. La griffe, en réalité, ça représente les ongles des animaux. Donc, quand on parle de griffe ici, là, c'est griffe de Satan. C'est griffe de Satan. Et il ne cache pas. Des gens aiment acheter des habits, même des sacs à main, tu vois des griffes dessinées dessus, ils sont fiers. Parce que leur pensée a été souillée. Donc, éloignons-nous de ce qu'on appelle griffe. Parce que si tu le fais, tu es déjà dans les griffes de Satan. Tu t'es intéressé par les habits griffés, les chaussures griffées, les articles griffés. Tu es déjà dans les mains de Satan. Ça, soyez sûrs de cela. Maintenant, on va parler des coiffures et des coupes fantaisistes que les gens font sur leurs cheveux. On va lire Lévitique 21, verset 5. Lévitique 21, verset 5. On va lire Lévitique 21, verset 5 qui dit clairement ici. Les sacrificateurs ne se feront point de tonsure sur la tête. Ils ne raseront point les coins de leur barbe et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Ils ne feront point de point d'incision dans leur chair et ils ne vont pas faire de tonsure, faire de tonsure sur la tête et ils ne vont point raser les coins de leur barbe. Amen. Jérémie 49, verset 32. Jérémie 49, verset 32. Nous allons lire Jérémie 49, verset 32. Jérémie 49. Alléluia. Jérémie 49. Excusez-moi. Jérémie 49, verset 32 qui dit, leurs chameaux seront au pillage et la multitude de leurs troupeaux sera une proie. Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe. Ce que le Seigneur dit, je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe, et je ferai venir leur ruine
de tous les côtés, de tous les côtés, dit l'Éternel. Donc, vous pouvez voir ces versets bibliques là après et puis méditer là-dessus. C'est vrai que le monde a changé, la mode a beaucoup évolué, mais moi je ne peux que vous donner ce que la parole de Dieu dit. J'étais dans la tresse avant. Il y avait des coiffures qu'on appelle les mohawks. Quand on tresse là, le côté droit, le côté gauche là, on va rendre ça plat. Et puis à devant là, en haut là, on fait monter. Est-ce que vous savez que ça là, c'est la coiffure de Satan? C'est là qu'on voit beaucoup les gens des rock et autres, ceux qui font la musique rock et autres, ils aiment avoir ce genre de coiffure. Avec les cheveux qui montent en haut et puis tout le côté là, c'est plat. Parce qu'ils s'identifient ainsi à Satan. Il y a aussi les couleurs des cheveux. Dieu n'est pas d'accord qu'on mette des couleurs sur nos cheveux. Dieu n'est pas d'accord avec les défrisages. Les défrisages. Les dessins que les gens font. Les signes, souvent les gens font des signes sur leur tête. Nike et autres. Il y en a même qui écrivent leur nom sur leur tête. Dieu est en train de dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Voyez Lévitique 21, verset 5, Jérémie 49, verset 32. Les êtres humains font ça pour se faire voir, c'est tout. Les dreadlocks et autres, ce n'est pas de Dieu, mes frères et sœurs. Tous les locks qui sont sur vos têtes, là, c'est des démons, c'est des serpents. Il y a même une vidéo qui courait, vous avez vu une femme qui a les cheveux, un enfant, ses cheveux s'étaient remplis des serpents qui bougeaient sur leur tête. Ça, là, ça a été publié partout. Et la personne, les serpents, là, ne la mordait pas. Mais il y avait plein de serpents sur leur tête. Ce sont des démons. Moi, le Seigneur m'a montré que les locks, là, ce sont des démons. Parce que mon propre fils, il avait commencé à tourner ses petits cheveux, là, pour faire comme les cheveux des joueurs de basketball, là. Les coiffures qu'ils tournent. Il avait les cheveux courts, mais ils tournent. Le monde même vend des chiffons que les gens pouvaient prendre pour mettre sur leur tête, crépus, tourner. Pour que ça devienne rond, ça prenne une certaine forme là. Un jour, le Seigneur m'a montré dans un rêve la tête de mon fils. Il y a deux mains qui sont venues, qui ont ouvert la tête de mon fils. Je ne sais pas si vous me voyez, moi je ne vous vois pas. Ils ont ouvert la tête de mon fils et au milieu, il y avait un gros truc noir qui était là-bas. Je ne savais pas ce que c'était et la voix du Seigneur a dit que c'est Nikki, la femelle des Nicolaïtes. Que cette coiffure-là, que les gens font sur leur tête-là, ça vient des Nicolaïtes et que la femelle s'appelle Nikki. Donc, c'est un démon qui amène nos enfants à faire ce genre de coiffure. Quand j'en ai parlé à mon fils, ça n'a pas été facile, hein, mais il a coupé tous ses cheveux. Donc, c'est la même chose, je vous conseille, si vous avez des drogues sur vos cheveux, coupez-les totalement, laissez vos cheveux pousser. Le Seigneur n'est pas d'accord avec. C'est des démons que vous prenez. C'est des démons que vous prenez. Amen. Maintenant, je voulais parler du port du voile. Le port du voile par rapport au dépouillement. Je parle du port du voile par rapport au dépouillement parce que beaucoup de femmes n'aiment pas porter le voile. Beaucoup de femmes se disent que non, ce n'est pas de Dieu. Les voiles ne sont pas de Dieu. Mais la parole de Dieu a parlé de ça. Dieu ne veut pas qu'une femme qui vienne devant lui en train de prier, qu'elle ne se couvre pas. Elle doit avoir un voile. Il y a des gens qui disent non, le foulard, c'est suffisant. Mais moi, je préfère le voile parce que Dieu a utilisé le mot voile. Alors, je préfère prendre le mot voile parce que le voile, ça ne cache pas seulement la tête, mais ça cache la poitrine et les épaules parce que tout ça, là, ça peut séduire des gens qui nous regardent. Donc, la femme dépouillée, c'est la femme qui se couvre, qui porte le voile. Et on peut lire ça dans 1 Corinthiens 11, verset 16. Qui dit, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si quelqu'un se plaît à contester, OK. 1 Corinthiens 11, verset 6, c'est ce que je voulais lire, excusez-moi. Ça dit, verset 6, 1 Corinthiens 11, verset 6 qui dit, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or,
S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Quand on va un peu plus loin dans le verset 13, la parole de Dieu dit, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter le long cheveu, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Je ne vais pas insister sur ça parce que le serviteur Issaka nous a très, très bien expliqué ce que le voile était. On devait porter pour couvrir notre tête quand on vient devant le Seigneur. Maintenant, je vais un peu parler de la polygamie. Aussi, c'est un péché. Parce que nous parlons de la vie de dépouillement. La polygamie est un péché. Je crois que vous connaissez cela. Genèse 2, verset 24. Si la polygamie, Dieu était d'accord pour les polygamies, ceux qui aiment prendre plusieurs femmes, chez les musulmans surtout, ils prennent plusieurs femmes. Il y a Genèse 2, verset 24 qui se lève contre cela. Ça dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dieu n'a pas dit que l'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à ses femmes et ils vont devenir une seule chair avec plusieurs femmes. Donc, ce n'est pas possible qu'on devienne une seule chair avec plus d'une femme. Dieu est contre cela. Éphésiens 5, verset 31 aussi parle de cela. Éphésiens 5, verset 31 parle de cela. Excusez-moi, je vais chercher ça. Éphésiens 5, verset 31 dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. » Et les deux, il n'a pas dit les trois, il n'a pas dit les quatre, les cinq ou les sept ou les dix. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. Maintenant, il y a 1 Timothée 3, verset 12. 1 Timothée 3, verset 12, qui nous dit de ne pas courir après les femmes. 1 Timothée 3, verset 12 nous dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Excusez-moi, il me semble que je me suis trompé du verset. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarer eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Amen. Je vais simplement expliquer ici que le Seigneur est en train de nous dire, si le monde veut vivre dans la polygamie et autres, nous, les enfants de Dieu, on n'est pas obligé de les suivre. On doit vivre selon ce que nous avons appris, selon ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Dieu veut qu'on vive selon ces choses-là. La polygamie n'est pas de Dieu. Il y a Tite 1, verset 6 qui a parlé de ça. Tite 1, verset 6 qui dit, parlant des qualificatifs et des devoirs des anciens, des diacres et autres dans l'Église, il dit, s'il trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Donc Dieu veut ici que ses serviteurs aient une seule femme. Amen. Bon, maintenant, il y a quelque chose aussi que beaucoup de personnes ne semble pas connaître, ou bien beaucoup de personnes ne parlent pas de ça. On appelle ça la restitution par rapport aux dettes. Ça aussi, c'est quelque chose que Dieu veut Dieu veut qu'on pratique. Il veut qu'on pratique la restitution. Restituer, c'est quelque chose. Quand Dieu dit qu'il veut qu'on soit irréprochable, il veut qu'on soit irréprochable aussi devant même Satan. Parce que sachez que Satan regarde la parole de Dieu et il regarde notre vie. Si notre vie ne s'aligne pas à la parole de Dieu, qu'est-ce alors Satan va faire? Si tu as deux femmes, par exemple,
et que tu es en train de servir Dieu, Satan va aller devant Dieu et va lui dire, regarde, celui-là que tu appelles ton fils, tu es fier de lui. Regarde, il a deux femmes, ça se lève contre toi. Et comme tu serais en train de vivre selon la volonté de Satan, Dieu va te laisser dans la main de Satan. Jésus veut que Satan ne trouve rien en nous qui lui appartienne. Et le serviteur a bien expliqué ça la dernière fois. Le serviteur Isaac a bien expliqué ça. Jésus dit dans Jean 14, verset 30, « Quand le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. » Mon frère, ma sœur, si Satan vient aujourd'hui, est-ce qu'il va trouver quelque chose en toi? Est-ce que tu serais capable de dire « Tu n'as rien en moi » comme Jésus a fait? Rappelons-nous que Jésus a été tenté en toutes choses, mais n'a pas pris une seule chose de Satan. Donc, le chrétien doit s'examiner. On doit s'examiner. On doit se rassurer que Satan n'a rien. Rien. Il n'a rien. Rien sur nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas acquis quelque chose par la fraude. On n'a pas volé pour obtenir quelque chose. On n'a pas acquis des choses par l'escroquerie, par le mensonge et autres là. Et donc, quand tu te donnes à Jésus, le Seigneur aimerait que si tu as volé pour avoir des choses, va chercher tes victimes, va demander pardon, il va rembourser. C'est ce qu'on appelle la restitution. Et on rembourse même avec dette. Si vous savez, la parole de Dieu dit que celui qui doit payer la dîme, si sa dîme là, c'est... Et si la personne se fait 100 dollars et que sa dîme, c'est... comment on appelle ça? C'est 10 dollars. Dieu dit que quand tu n'as pas payé pendant un certain nombre de temps. Quand tu décides de payer, tu dois aller payer ça avec intérêt. Je ne sais pas si c'est 5% ou bien 15%. Vous pouvez chercher ça dans la Bible après. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on a volé, on doit restituer. Quand tu as pris quelque chose de quelqu'un, va lui donner. Va lui donner même avec intérêt. Va lui rendre ça. Si tu as gâté volontairement quelque chose qui appartient à quelqu'un, quand tu donnes à Jésus, l'Esprit de Dieu va te faire comprendre cela. Tu vas aller voir la personne là pour restituer ces choses. Parce que moi-même, j'ai vécu ça. Est-ce que ce n'est pas ce que Zachée a fait dans Luc, Luc 19, verset 8? Quand vous lisez Luc 19, verset 8. Quand on lit Luc 19, verset 8. Luc 19, verset 8 dit. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit. Voici Seigneur. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Zachée est parti même rendre quatre fois ce qu'il avait volé. Donc, quand on lit maintenant Romains 13, verset 8 dit que nous ne devons rien à personne si ce n'est de les aimer. C'est tout. C'est ce que le Seigneur dit. Donc, la restitution fait partie du dépouillement. Donc, rappelons-nous, s'il y a des choses qu'on doit, des choses qu'on a fait, on a obtenu dans le vol, on n'a qu'à les rendre. On n'a qu'à les rendre. Parce que le jour du jugement, Satan va venir montrer ça. C'est ce qui va se lever contre nous. Maintenant, il y a autre chose encore qui fait partie du dépouillement. Je vais parler maintenant des homosexuels, leurs pratiques, des lesbiennes, les transsexuels, la bestialité. Dieu ne veut pas qu'on soit des homosexuels. Il ne veut pas qu'on soit des lesbiennes. Il ne veut pas qu'on soit des transsexuels. Il ne veut pas qu'on pratique la bestialité. La bestialité, c'est un humain qui se comporte comme une bête, comme un animal. C'est aussi faire l'amour même avec les animaux. Dieu ne veut pas qu'on fasse cela. Lévitique 18, verset 22 parle de ça. Et Lévitique 20, verset 13 parle de ça. Lévitique 18, verset 22. Lévitique 18, verset 22 dit, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Ça, c'est clair, c'est les homosexuels. Maintenant, Lévitique 20, verset 13. Lévitique 20, verset 13 nous dit ici, « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort.
leur sang retomberont sur eux. Amen. Donc, sachez que Dieu ne veut pas qu'on pratique la sodomie. Il ne veut pas qu'on pratique de fellation. Il ne veut pas qu'on pratique le cunnilingus. Il ne veut pas qu'on soit dans la pornographie. Dieu n'est pas d'accord avec ces choses. Un chrétien ne doit pas faire ce genre de choses. Un chrétien ne doit pas être un masochiste. Le masochiste, c'est celui qui fait l'amour avec sa femme en lui faisant du mal. Ou bien la femme peut faire du mal à l'homme, c'est dans ça qu'il prend son plaisir. Dieu ne veut pas qu'un enfant de Dieu soit sadique. Il ne veut pas non plus que nos enfants pratiquent même des positions d'animaux. Quand des gens font l'amour, ils disent, ils appellent ça brouette. Dieu n'est pas d'accord avec ces choses, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas d'accord avec la masturbation. Dieu n'est pas d'accord avec l'utilisation des objets sexuels, comme les vibromasseurs, les poupées gonflables, toutes ces choses-là. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Celui qui est dépouillé ne fait pas ce genre de choses. Dieu ne veut pas qu'on fasse ces choses, même dans ta maison, même dans le mariage. Comprenez cela. Même dans le mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas une licence pour commettre des péchés. Les anges de Dieu sont avec nous à chaque instant. La parole de Dieu dit même que les murs peuvent parler contre nous. Donc, de la même façon dont les démons peuvent aller se cacher dans les murs, sachez que Dieu a ses anges dans la maison de chaque chrétien. Amen. Moi, j'ai eu une vision où on m'a dit qu'il y a deux anges dans la maison de tous les chrétiens. Et donc, il y avait deux anges dans ma chambre. Donc, ce que vous faites dans votre chambre, je vous en prie, ne faites pas des choses de prostituées. Il y a des gens qui prennent leurs femmes comme des prostituées. Il y a un monsieur que moi, je connais, c'est un pasteur, je vous le dis. Sa femme est partie acheter un pieu pour mettre dans sa maison. Et avant de coucher avec son mari, elle a besoin de se déshabiller, monter sur ça pour danser comme une prostituée avant pour que son mari puisse être à l'aise avec elle. Et il y a plein de femmes qui sont en enfer parce qu'elles sont en train de chercher à faire plaisir à leur mari. Mes frères et sœurs, les maris qui sont là, n'amenez pas vos femmes en enfer et elles n'iront pas seules. Parce que celui qui pratique ces choses aussi ira. Donc, si vous pratiquez ces choses dans vos chambres, laissez tomber. Sachez que les yeux de Dieu sont sur vous. Les yeux des anges sont sur vous. Les démons aussi sont sur vous. Ils vous regardent. Amen. Maintenant, on va parler de la pureté dans le mariage. Selon Hébreux 13, verset 14. Hébreux 13, verset 14 qui dit, ce n'est pas ce que je cherchais. Il y a un verset, je n'arrive plus à retrouver mon verset. Il y a un verset qui dit que le lit conjugal ne doit pas être souillé. Je pense que vous connaissez. Le lit conjugal ne doit pas être souillé. Donc, quand on parle de lit conjugal, déjà, ça veut dire que c'est un lit qui est béni déjà de Dieu par le mariage. Et la parole de Dieu dit, il ne faut pas qu'on souille cela. Ce qui signifie que souvent dans le mariage, il y a des gens qui ont leur lit conjugal qui est souillé. Est-ce que vous savez que les habits, les slips, les strings et autres que les gens portent là, il y en a que les hommes aiment que leurs femmes portent. Et elles aussi, elles veulent porter ces strings-là pour faire plaisir au mari dans le lit. Quand tu portes les strings, c'est Baphomet, c'est Satan même qui est en train de marcher avec toi. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Même si tu veux porter ça pour ton mari, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Je voudrais que vous compreniez cela. Il y a des femmes qui aiment porter les robes de nuit, légers, très très courts, pour pouvoir séduire leur mari. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a révélé à moi clairement et à d'autres femmes aussi, que même quand une femme se couche, elle doit porter peut-être un bouboule long qui n'est même pas transparent. Je vous le dis, on nous voit. Arrêtons de rentrer dans les boutiques comme les Victoria's Secret, les boutiques Adam et Ève pour acheter ces choses-là. Ces boutiques sont déjà maudites, donc ce que vous allez aller prendre là-bas, c'est de la malédiction. Achète-toi une belle robe de nuit simple qui n'est pas transparente, qui n'est pas courte, et puis va passer ta nuit avec ton mari. Amen.
C'est sur ces choses-là que je voulais insister aujourd'hui. Parce que nous devons comprendre que dans ce monde où nous sommes là, dans ce monde ici-bas là, nous ne sommes pas, cette cité-là n'est pas une cité permanente pour nous. Mais nous avons une autre cité, qui est une cité permanente, où arrivé là-bas, Dieu va nous parer de toutes sortes de bijoux, de toutes sortes d'or, des choses pures, des choses qu'il aime. Quand on va faire ce mariage-là avec le Seigneur, lui-même va nous habiller comme il veut. On n'a pas besoin de nous perdre notre temps, perdre notre salut à cause de ces choses dans ce monde. Amen. Maintenant, nous allons aller à la conclusion de ce séminaire. La conclusion, ce sont simplement des versets bibliques que je vais vous lire. Préparez-vous pour lire Éphésiens 4, versets 17 à 24. Colossiens 3, versets 1 à 6. Matthieu 18, versets 8 à 9. Matthieu 16, verset 26. Galates 2, verset 20. Matthieu 6, verset 33. Et Apocalypse 22, verset 11 à 14. Je vais commencer par lire Éphésiens 4, verset 17 à 24. Éphésiens 4, verset 17 à 24 nous dit: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, c'est-à-dire vous les enfants de Dieu, nous les enfants de Dieu, ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Donc Dieu veut qu'on soit renouvelé, qu'on laisse l'homme ancien là mourir, le vieil homme mourir, et que nous revêtons désormais l'homme nouveau. Cet homme nouveau là est en Christ. Amen. Maintenant, on va lire Colossiens 3, versets 1 à 6. Colossiens 3, versets 1 à 6 qui nous dit: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Maintenant, nous allons partir sur Matthieu 18, versets 8 et 9. Matthieu 18, versets 8 et 9, qui disent: amen. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la Guéhenne. Amen. C'est clair, il faut se débarrasser
de tout ce qui peut nous amener en enfer. Maintenant, nous allons lire Matthieu 16, verset 26. Matthieu 16, verset 26 nous dit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vais lire. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 6, verset 33, qui nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Galates 2, verset 20, qui nous dit aussi, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Maintenant, nous allons lire Apocalypse 22, versets 11 à 14. Apocalypse 22. Verset 11 à 14 qui nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Moi, j'ai fait mon travail, mes frères et sœurs, que le Seigneur a mis dans mon cœur de parler de ça. Donc maintenant, le Seigneur dit en conclusion que celui qui est injuste, celui qui ne veut pas respecter la parole de Dieu, que cette personne-là soit encore injuste. Et que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Je vois que tout le monde est vraiment occupé aujourd'hui. Il n'y a pas eu réellement de conversation. Donc, on va seulement prier. Je vois que le frère Jérémie a dit quelque chose. Je ne sais pas, je vais regarder ça rapidement. Oh, ok, oui, pour enlever les tatouages, il faut utiliser la radiation. Merci, Seigneur. Merci, serviteur de Dieu. Donc, comme tout le monde semble être occupé, serviteur Ambroise, vous êtes disponible maintenant? Oui, allô, maman. Oui? J'étais un peu loin de ma Bible. Parce que c'est okay. Comme c'est quatre personnes maintenant, on s'est départagé. Et j'étais loin de la Bible. Au moment où je voulais venir près de la Bible, c'était déjà passé. Vous avez déjà commencé à parler. Ah, ok. C'est pas grave. Gloire à Jésus. On va trouver un moyen. On va régler ces problèmes-là pour que désormais tout le monde puisse participer. Alléluia. Amen. Donc, amen. Si vous avez quelque chose à ajouter, c'est le moment. Si vous pouvez me donner une minute, ceux-là ne vous dérangent pas. Une minute rapidement. Je le viens tout de suite. Alléluia. Je salue tout le monde dans le camp précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est tout ce que moi je voudrais dire. Et que si maman pouvait revenir sur ce qu'elle a enseigné, et de partager les choses, ça serait bien, parce que maman a pris 2 heures de temps. Maman, vous êtes là, vous m'écoutez? Ok, excusez-moi. Ok. Je suis de retour, soyez bénis. Amen. Donc, c'est la fin du séminaire. C'est peut-être de Dieu, s'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, vraiment, c'est une bonne chose. Oui, maman, et ce que moi, j'aimerais vous demander, c'est que... Oui? Vous allez chercher du temps et nous allons encore revenir sur ça et vous allez prendre le temps d'expliquer les choses mot par mot. Vous avez fait beaucoup de choses que moi j'ai beaucoup apprécié. Amen. Vous avez,
Vous avez tout dit dans vraiment le même message. Parce que l'histoire des tatouages, vraiment, c'est quelque chose que j'ai aimé, la manière dont vous avez expliqué. Amen. Oui, et l'enseignement sur la polygamie aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai compris que vous avez tout mis ensemble. Donc, on aura le temps et que vous allez expliquer ça. Au moins, vous pouvez prendre 2 heures de temps ou bien 1 heure de temps et parler sur la polygamie. 2 heures, 3 heures de temps et parler sur les tatouages. 2 heures et choses-là. Et vraiment, j'ai apprécié, mais vous avez donné beaucoup d'enseignements. Vous nous avez donné beaucoup d'enseignements et dans 2 heures. Oui. Oui, c'était beaucoup, c'était le dernier jour. C'est ça. C'était le dernier jour. Donc, c'est pour ça que j'ai mis tout, j'ai mis les versets bibliques. J'ai aussi les. J'ai enregistré pour ceux qui voudraient recevoir aussi. Les thèmes là, surtout les thèmes de tatouage, c'est très bon. Amen. C'est très bon. Et sur la polygamie aussi, c'est très bon. Donc, vraiment que ça a été rapide. Ça a été rapide. Vous avez passé sur ça très rapidement, compte tenu du temps. Yes. Sinon, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Gloire à Jésus. On va aller approfondir. J'espère que tout le monde amen. J'espère que tout le monde a au moins compris l'idée. Parce que les versets bibliques sont là. Je pourrais vous envoyer ça pour que vous donniez aux frères et sœurs qui sont avec vous là-bas. Amen. Aussi. Amen. Oui. J'espère que vous avez apprécié parce que c'est le dépouillement. Le dépouillement pour la vie en Christ, ça regroupe tous les domaines de nos vies. Bien évidemment. Je ne voulais vraiment pas finir ce service-là sans rentrer dans les détails. Même dans le mariage, dans la chambre, à coucher. Tout cela, Dieu regarde. Amen. 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 Donc, serviteur de Dieu, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose d'autre à ajouter. Je vois que le serviteur, le frère Ekida a ouvert son micro. Si vous avez une question, il n'y a pas de problème, nous sommes disponibles. Oui, je vais poser la question après. Je vais poser la question après. Après, ok, il n'y a pas de problème. Oui, je vous écoute un peu. Ok, il n'y a même pas de problème. Comme vous avez dit après, il n'y a pas de problème. Sinon, ce serait bien pour que tout le monde entende aussi. Parce que ça pourrait être la situation de quelqu'un d'autre. Mais je respecte votre décision. Après, nous pouvons parler. Nous devons même parler tout à l'heure, là, n'est-ce pas? Ok, serviteur Ambroise. Oui, je vous laisse le micro hein, pour tout ce que vous voulez faire maintenant. Et puis, on va prier pour fermer. Oui, et nous allons prier pour finir. Mais sans vous mentir, j'ai apprécié les thèmes. Et j'ai voilà, vu beaucoup. La seule chose, c'est que, comme nous sommes à la fin, vous avez tout accumulé. Et on va revenir sur ça un an. Il n'y a pas de problème. On va faire. On va revenir. Parce que c'est important. C'est très, très important pour nous. C'est très, très important. Mais. Et, au fait, c'est une bonne idée. Vous avez, on va parler sur le mariage, on va parler sur les tatouages, on va parler sur la polygamie. Vous voyez que c'est des sujets, beaucoup de sujets. Bien sûr. Beaucoup de sujets. Donc, sinon, c'est tout. Sinon, tout s'est bien passé. Et moi, je suis content. Surtout quand vous êtes rentré dans la polygamie, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur beaucoup de choses. Alléluia. Oui, parce qu'on pouvait, il est dit à temps parce que dans, comment ça s'appelle, Esaïe 5, parce que ça amène de confusion, Esaïe 5, verset 4, façon, si je lis bien ma mémoire, étant Esaïe, je vais rapidement voir, parce que les musulmans pensent ça, pour nous confondre.
ils ont mal expliqué. Et beaucoup de serviteurs, beaucoup de gens sont servis ici. Et je cherche même des moyens pour revenir plus tard. Si vous me permettez, parce que le temps est complètement parti. Il est... Moi, je n'ai pas de problème. Je vais voir si je peux voir. Ce jour, Esaïe 4. Lisons le verset 1. Amen. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Alléluia. Ce jour-là, cette femme s'accrochera à un seul homme en lui disant, nous nous chargerons de notre nourriture et de nos vêtements. Enlève seulement notre honte en nous acceptant comme tes femmes. Alléluia. Vous voyez que vous avez donné beaucoup de versets concernant la polygamie. Mais quand nous rentrons aussi dans Ésaïe 4, voilà ce que la Bible a dit là. Et il y a beaucoup de gens qui ont mal compris. Pour des raisons, je vous ai dit qu'on va revenir sur les choses. Parce que vous avez fait sortir des versets, vraiment que moi, je suis dépassé par ces versets. Mais déjà, les gens prennent ça. Ils disent que cette femme, quand accrochée à un seul homme, il ne voulait même pas de l'argent, de rien, mais seulement que l'homme va être simplement leur mari pour leur faire honneur. Avec ça, les musulmans ont expliqué, vous savez que chez eux, c'est la polygamie. Et il y a aussi des femmes. Vous savez, moi je suis serviteur de Dieu, et puis on rencontre tout. Il y a aussi des femmes qui, nous sommes en direct, hein, parce qu'on va publier ça, qui, les femmes qui veulent voler des maris autrui là, ils amènent ces vêtements pour dire, papa, ben, voilà ce que Dieu a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai vécu ce cas avec une dame, la dame a l'argent, et sans vous mentir, qu'est-ce que tu veux faire? On a parlé, tu dis la vérité, mais tu deviens l'ennemi. Et le monsieur a déjà deux femmes et le monsieur, c'est un chrétien. Maintenant, elle a ajouté la femme et ça fait trois femmes. Et parmi les trois femmes, il y a une qui est sorcière. Elle est partie, elle a ramassé ses bagages, elle est partie. Moi, je suis en train de les observer, je suis en train de les voir. Bien vrai, la femme, elle ne s'approche plus trop de moi. Elle s'est décalée de moi à cause de la vérité. Elle n'aime plus trop mon affaire à cause de la vérité. Sinon, moi-même, je savais que le second aussi, la seconde femme aussi va partir, ça va rester elle seule. Mais est-ce que c'est ce que Dieu nous a recommandé? Les autres sont là. Avant que le mari est venu t'ajouter, te chercher, mais toi, tu es une servante de Dieu. Quel servante de Dieu encore? Elle travaille encore pour l'Éternel. Elle travaille, hein? Elle travaille et elle se met sur le podium, elle travaille sur le podium, elle fait tout. Hein. Et elle dirige même. Mais pourtant, elle a perdu son mari et elle a 50 ans. Je priais pour elle, oui, je priais pour elle parce qu'elle cherchait de mari. Elle cherchait de mari, je lui ai dit que tu auras un mari. Donc, elle a trouvé un bon mari qui a 40 ans. Il a même fêté son anniversaire. Il va en décembre, oui, il a 41 ans maintenant. Et la femme a déjà moins 52, ou bien oui, 50 ans, ou bien 52. Donc, le mari a déjà deux femmes, mais pourtant, il a épousé encore la femme. Mais quand tu parles, quand tu es un serviteur de Dieu, quand tu es rentré dans la parole, c'est le verset qu'on te donne. Serviteur. En voulant expliquer, tu deviens encore ennemi. Tu non, deviens encore ennemi, on t'évite. Vous voyez un peu? Mais c'est pour tes raisons. Je comprends, serviteur de Dieu. Comment? Ceux qui utilisent ça, ils sont simplement malhonnêtes parce que quand Dieu parlait de ça, il était en train de parler de condamnation des femmes de Sion, des femmes hautaines. Parce que j'avais lu Ésaïe 3 à partir du verset 16 jusqu'au verset 4, jusqu'au verset 25. Donc si on continuait ça, on pouvait même s'arrêter à Ésaïe 4, verset 1, vous allez comprendre. Je vais lire ça, vous allez voir tout à l'heure.
au nom de Jésus-Christ. Et prenez Ésaïe 3 à partir du verset 16 et on va continuer. Vous allez voir ce que ça signifie. Comme ça, si demain quelqu'un vient vers vous, vous allez leur faire comprendre qu'il se trompe. Ben, ça, c'est pour les gens qui sont maudits. Oui. Ésaïe 3 à partir du verset 16 veut dire le Seigneur va enlever leur beauté aux femmes de Jérusalem. Je sais bien que ça, c'est le Seigneur les a punis. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire était qu'on va revenir sur l'enseignement, quoi. Et faire l'enseignement, les gens vont voir clair. Ah, voilà, c'est je suis ce d'accord que en train avec de toi. Dire. C'est ça que je vous ai dit, que ça crée des confusions ici. Et à cause de ce verset, simplement que les gens soulèvent dans la Bible, les gens prennent dans la Bible, ils condamnent encore les pasteurs. Et quand tu veux les expliquer, on te met encore en rancune. Oh, c'est pas correct parce que la Bible c'est un tout, ce n'est pas, on peut pas prendre une partie comme ça hors du contexte et puis parler. Ça, là, c'est ceux qui sont en train de rentrer dans le maquillage, qui sont orgueilleuses, les femmes qui font les mauvaises choses là, c'est elles. Dieu a dit clairement que elles seront tellement maudites, elles vont vieillir, comme on a expliqué le verset 25 à 24 a dit elles vont vieillir plus vite et que tes hommes tomberont sous les glaives et tes oraux dans le combat. Les portes de Sion gémiront, c'est dans la gémissure, et ils seront dans le deuil, et tu seras dépouillé, les portes-là seront dépouillées, et ces femmes-là vont s'asseoir par terre, ces portes-là vont s'asseoir par terre, on a dit, c'est en ce moment-là que sept femmes vont saisir un seul homme. Et puis elles vont lui dire, nous mangerons notre pain, et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous porter ton nom. Ok, excusez-moi. Fais-nous porter ton nom et autres là. Et enlève notre propre. Et la parole de Dieu dit quoi, le verset 2. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Oui. Le germe de l'Éternel, maintenant, c'est ce. Un germe, c'est un petit noyau. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Un germe, c'est un petit noyau. C'est ce germe-là. Ceux qui seront dépouillés, les vrais-là. Ceux-là, ils vont avoir de la magnificence. Ils vont avoir de la gloire. Vous voyez? Et maintenant, on dit, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Donc, je vous écoute. On va refaire un autre cours, si vous voulez, seulement sur la polygamie, là. Et puis, la fornication, les gens qui aiment plusieurs femmes. Ils se basent sur des choses fausses pour pouvoir justifier leurs bêtises. C'est ça. C'est ça, on va revenir sur ça. Et on va faire ça et oublier ça. Oui. Parce que ça amène des confusions, quoi. Les gens s'accrochent à ça et ne veulent pas comprendre le reste. C'est pour des raisons, vous l'avez dit. Vous avez dit beaucoup de choses à la fois que j'ai beaucoup aimé, surtout sur les tatouages. Et il faudrait que les gens comprennent ça. Yes. Oui. Donc, c'est des choses qu'on va bien, on va rentrer en profondeur et les gens vont comprendre. Amen, amen, amen. Vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse, maman. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Mon cœur est en paix parce que ça, c'est un sujet qu'il y a longtemps, le Seigneur voulait que j'en parle. Il y a longtemps. Ça fait partie de mon appel. Mais je n'avais jamais eu le courage de le faire. Aujourd'hui, là, je remercie le Seigneur parce qu'il a permis cela. C'est vrai que beaucoup de personnes ne sont pas venues, mais on va recommencer ça. On va recommencer. Parce que le dépouillement, la sanctification, sans la sanctification, on n'ira pas au ciel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit taper comme un marteau dans la tête des gens tous les jours, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Dieu nous a mis ici, là, c'est pour nous préparer pour le ciel. Ce n'est pas pour se blaguer. Notre Dieu, il ne s'amuse pas. Donc, ma prière, c'est qu'on comprenne cela et qu'on prenne notre foi en Christ, là, notre vie en tant que chrétien, là, au sérieux. On est là seulement pour un temps. On n'est pas là pour tout le temps. Seulement pour un temps. Bravo. Juste pour un temps. Et après, si tu vas regretter pour l'éternité. Pour l'éternité, mais... yes. Alléluia. Amen. Donc, je vous remercie, maman, parce que moi,
J'ai eu beaucoup d'idées pour ce que vous avez dit, pour votre enseignement. J'ai eu beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses parce que ça va m'amener à faire beaucoup d'enseignements. À faire beaucoup d'enseignements, à départager certaines choses et publier, même si je n'ai plus le courage de balancer ça aux gens, je vais quand même publier pour sauver certains. Amen. Amen. Ok, vous pouvez faire la dernière prière. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, je m'étais dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Ouvre maintenant ton ciel sur nous. Que ta pluie de bénédiction inonde tout un chacun de nous. Seigneur, que ta pluie de bénédiction inonde tout un chacun de nous. Que la pluie de bénédiction, Seigneur, change la vie d'une femme. Que la pluie de bénédiction change la vie d'un homme. Que la pluie de bénédiction, Seigneur, change notre vie. Saint-Esprit de Dieu, que ta puissante main repose sur nous. Seigneur, tu as dit, même si les gens ne veulent pas, les hommes ne veulent pas te servir, tu as ordonné aux pierres de te servir. Seigneur, par cet enseignement, toi, tu sais ce que tu as fait de grand. Tout ce que tu as fait dans le spirituel, Seigneur, amène-les dans le physique pour que la gloire te revienne. Père, nous te disons encore une fois merci pour cette bénédiction que tu as déversée sur nous. C'est dans le grand précieux nom de Jésus-Christ Nazareth qu'on a prié. Amen. 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 OK, soyez tous bénis. Soyons tous bénis. Et puis bon, demain c'est dimanche, hein? Oui, demain c'est dimanche, oui. J'ai oublié de t'annoncer que demain on aura un service à partir de 14h les États-Unis. C'est ce qu'on avait dit, non? Mm-hmm, ça va faire, ça tirait à 19h en Afrique au Bénin. 14h, pardon, c'est 14h au Bénin, c'est 9h le matin aux États-Unis. 9h aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, si vous êtes à 5 heures de différence, ce sera 10, 11. Ce sera 14h chez vous, comme au Bénin. Maintenant, je crois que le Cameroun a encore 6 heures, non? Différence. Oui. Si c'est 6 heures, c'est que ce sera 15 heures chez vous. On va ouvrir le Zoom 15 minutes avant. D'accord. Yes. Et le serviteur Ambroise va nous enseigner selon ce que l'Esprit de Dieu va lui mettre dans le cœur pour nous demain. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Et amen. Je sais qu'on doit appeler le serviteur, on doit appeler le frère Ekida tout à l'heure là. Pasteur, vous voulez que je vous donne quelques temps d'abord encore? Vous allez m'appeler dès que vous êtes prêt pour qu'on l'appelle, parce qu'il nous attend. Oui, moi je vais prier. Nous allons prier avec l'équipe. Nous allons prier et puis eux vont rentrer. Et après, moi je vous appelle. OK, à pas de problème. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tout le monde, tous ceux qui sont bénis là-bas avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. On va s'organiser pour qu'on puisse vous voir, vous tous aussi bientôt, OK? Amen. Au revoir. Au revoir. Au revoir.